Hey, bonsoir à tous, il y a du monde, il y a du monde. Alors attendez, hop, petit chute chave. Bonsoir Kerrigan, bonsoir Anakin Gam, vous êtes les deux au rendez-vous, j'ai l'impression, peut-être qu'il y aura plus de monde par la suite. Ah, c'est cool, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live de mon côté, pour pas mal de raisons. Là, la fin d'année, c'était compliqué parce que, ben, fin d'année. Là, en fait, cette semaine et la moitié, jusqu'à jeudi la semaine prochaine, je suis en projet, en gros projet, donc depuis mercredi jusqu'à lundi, donc c'est des gros machins ou c'est des projets d'application. CoF3 qui est hyper important, machin. Du coup, là, je bosse. Avant, il y avait les partiels. Avant, il y avait les révisions de partiels. Donc, je pouvais jamais live. Et les semaines d'encore avant, j'avais des petits soucis de santé. Et voilà, ça commence à se tasser maintenant. Du coup, j'en profite. Je profite d'avoir la fibre sur ces derniers jours. Parce qu'après, je me barre de cet appart pour rentrer chez moi. Et j'aurai plus la fibre. Du coup, voilà. Petit live. Je pense que je vais peut-être en faire un tous les soirs jusqu'à jeudi. On verra. Ça peut être cool. Et donc là, ce que je vous propose ce soir, c'est comme je suis à fond dans les ranked Overwatch en ce moment avec un poteau, et ben, je vais partir là-dessus. Encore des ranked. Ça peut être cool. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions, tout ça. Ça va être sympatoche. Donc voilà, je vais aller me mettre dans son Teamspeak à lui, dans son channel, et puis voilà. Channel switched. Ça y est, tu es dans le live. Bah, Ouais. déjà? Quoi? Bah oui, j'ai juste dit bonjour. J'ai dit bonjour, il y a. Putain, j'étais parti sur me lancer de la nouvelle vidéo du DG. Oui, bah moi aussi j'ai vu Rien. la nouvelle vidéo du TG, il aurait pas pu la sortir. Plutôt. Bah du coup, rank, hein, on est chaud là, c'est bon, je Oui. pense. Bon, bah, On attends, est non, prêt. non, fais-moi une quick, parce que si ça se trouve, ça tient pas la charge avec le Ouais. OBS. On va voir. Peut-être qu'il faut que je Bon. change un petit peu mes réglages. On avait pas rank, t'avais fait une fois, tu faisais un stream Si, mais aussi, je ça crois, faisait t'avais fait. longtemps, ça. On va vérifier. Merci, Il y a Anna manque de Kingham. sérénité Y a moins de sérénité, oui. Experience Tranquility. Bon, du coup, ouais. Du coup, ça va, je suis content. Bon, mais du coup, je pars Macri Soldier et Reaper, je pense, sur cette session. Voilà. Ok, Népal. Arrivé au Népal. Et du coup, il est quand même vachement plus agréable à utiliser l'ulti de Macri, hein. T'as moins l'impression Ouais. de. T'as moins Népal, l'impression de. Je sais pas, de choisissez votre promener et te faire arracher la tête à la moindre. Faut que tout le monde se planque, tu vois. Merde, j'ai oublié de changer le. Voilà, c'est bon. Ok, j'ai oublié de changer le. C'est bon. Partir sur Zen, parce que sinon l'équipe a pas de heal. De toute façon, on n'a pas de tank. De toute façon, on a rien. On a rien du tout. Full DPS. On a un Genji Weibo. Ah putain. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait sur le truc sur le. Une Mercy main. La vacuité est Ouais, formue c'est full DPS et la cette team. forme est vacuité. Ouais, je suis semi-tank, c'est Kappa. pas ce que je préfère. Kappa Kappa. On a. J'adore. Mec, je crois que c'est mon tank préféré de tout le Une jeu, âme quoi. solide Lequel? équilibre l'âme. Tu l'as? Tu veux des guns? Mais je pense Hey. qu'il fait référence à. Comment ça s'appelle Resident Evil de 4. Je sais pas. Ah, ok, I get it. Tu vois? Première manche. Je trouve un style. Je sais pas. Bon, allez, on a que des flanqueurs, ça va être drôle. Viens, on va à left, toi et moi. Ils se démarreront. Il y a un Oh singe putain. derrière, on se fait Il y a une pourrir pute. la gueule. Il y a une pute en face là. Il y a un singe low. What? Putain, on s'est fait pourrir dans la bac. Hein. Ouah, ça rase que j'ai pris. Ouais, différence entre eux et nous, ils ont un Winston et nous on en a pas. Putain, ouais. Je pense que je vais swap sur. Mais en fait, Winston, il faudrait que je reste avec vous pour l'arracher. Je vais arriver, je pop. Fais gaffe, t'as. J'ai Ouais, du monde. t'as Genji. Putain, mais on se fait. Il est sorti du spawn, il s'est fait os. Bien, Genji finis-moi heal. Discord. Garde-moi heal. Genji Ok, mort. c'est bien, bien joué. On y va? Fais gaffe, c'est une fatale. Hein. Oh, putain. Ah! Ah, Ça tiens, je vais touche des là. boîtes. Ah, j'ai pas plus le Garde-moi. Discord. Oh putain, je prends tellement cher. Discord! Je lui arrache la tête. Ouais, mais j'ai pris une balle de frontal par contre. Enfin, tant que j'ai ma Discord. Ouais, c'est bon, elle est morte. Ok. Discord le Genji! Oh putain. Je vais te manquer. Ah. Ah, je me suis fait des boîtes. J'ai bientôt mon ult. On se fait un peu arracher quand même, hein. Bah.
Après ils ont lâché tous leurs ults là, nous on va avoir une autre, ça va être le moment de faire un truc sympa tu vois. Ouais. On va tourner la game. Attention à Obugawa. Oh là 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 là, mais ils sont mal. C'est mauvais un peu quand même. On va pas se mentir. Bah les main DPS tous. Ouh putain la fatale à droite. Ah mais mec j'ai pas le temps de me foutre en. Moi j'ai mon ulti mais. Non mais non mais c'est my bad, hein. Je vais lâcher un ulti en passant sur le côté. Elle est à droite la fatale. Droite, ouais. Tu peux la déboîte en vrai, hein. Tu lui mets les sous tes clics droits. Ah! La main widow fatale, c'est. Mais. Tartiflex, c'est bon. Reviens là, toi! Ouais, c'est bon. Ah non! Qu'est-ce que je pense du rework de Chopper? Ah, il est vraiment beaucoup plus dur à jouer. Moi, j'apprécie pas trop parce que j'ai beaucoup joué Chopper, j'aimais bien son gameplay. Il est à droite. J'aimais bien son gameplay. What? Oui, je t'avais dit qu'il était à droite. Et donc, le Rodog, je suis d'accord avec toi. Le Rodog, ouais, bah, il est pas mort, mais il est quand même considérablement plus dur. Et le problème, c'est qu'il y a des persos que tu peux plus one-shot alors que tu devrais les one-shot. Je suis tout à fait d'accord. Genre Baby Diva, Widow, Ange. Encore que Baby Diva, ça peut se comprendre, c'est pas forcément un misplay de s'être mal placé. Ah, c'est pas simple, elle a la plus petite hitbox du jeu, hein, donc. En vrai, tous les healers, tu devrais pouvoir les choper direct. Allez, hey, j'ai fait un massacre. Non. Allez, on avance. Je vais essayer de te choper. Ok, je t'ai. Oh putain, d'accord, ok. Lui aussi, t'as. Et j'ai du mal encore à play avec, avec son nouveau. Oh. La douleur est un. Oh, je l'ai embarqué. Ah, le bâtard, il a pu remonter. Il a pu remonter, il a jump, non? Ouais. Ah, j'ai eu un moment de. Bon, bah, c'est GG. Bon, on va pas se mentir, y a pas du beau joueur. Mais c'est pas grave, après on s'en va les couilles, on part en rang, on aura des vrais mates, tu vois. Bon, c'est bon, ça tout tient bien. Bah, ça bien, au niveau des FPS, je suis capé à. Ah non, attends, 60 c'est sur les pages là. Non, mais. Ah non, c'est bon, j'ai un peu moins de FPS que d'habitude, mais ça passe. Ah, ça. De toute façon, on va faire ça, on part un petit rank. J'ai vraiment beaucoup de mal par contre à me faire au. À la speed attack de Rodok. La speed attack, ouais, c'est chaud. Ouais, ouais. Parce que, genre, en vrai, t'es habitué à bien réfléchir tes coups à chaque fois. Parce que de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé d'attendre. Alors que là, tu peux bourriner comme. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un truc pour son clic droit. Parce que j'ai pas l'impression de faire du dégât avec maintenant. Ah, tu fais rien. En fait, avant, avant, il y avait le petit coup du one shot. Si t'arrivais à faire la tête. Ouais. Mais en fait, je trouvais ça trop frustrant pour l'un ou l'autre. Je pense qu'il devrait augmenter les dégâts. Enfin, réduire la dispersion et les dégâts du coup. Ouais, tu puisses faire quelque chose un peu de loin parce que là en fait tu peux rien constant. Faire. Ce soit pas un coup je one shot, un coup je fais 32 dégâts. Oh putain. Vas-y, score, fraté. Le Lucio. Ouais, je le dévote. Allez. Allez, la petite tête. Quand t'as 98, mec, c'est ton. Et allez au-dessus. La fois tout. Je ne fais plus qu'un. Putain, y'en a deux au-dessus là. Ah non, y'en a plus qu'un. Par contre, on prend le point, mais voilà. Ouais, oui, mais je suis tout seul, du coup, c'est un peu. Ouais, non, je suis. Oh, ça rase. Je me suis déboîté tant qu'il arrive, le mec. Incroyable. Je me fais follow par le singe. Ah, mais c'est parce qu'en fait, c'est le Hanzo m'a mis une tête au moment où je les grabe. Bon, le singe, il s'amuse un petit peu avec notre équipe, hein, j'ai envie de dire. J'ai 6 grabs sur 6 des barres. Bon, c'est pas ouf, tu vois, mais. Hein. Ouh, y'a Fatal qui s'énerve, fais gaffe. Genji, j'ai mis une tête. Ah, ouais, j'ai raté. Lucio Lo, Discord. Oh, en vrai, quand je prends les balles de Fatal avec la Discord, tu vois ça. T'es alone. Gauche, avance. Un gars. Oh là là. Ouais, le Katikyu là. Je suis loin de mon nul par contre. Quoi? What? Y'a une fatale tout au fond. Je Discord. C'est pas visé. Mais... Genji main.
Ah mais ça, il a 2 HP le Zenyatta quoi. Là, j'aurais dû ulti, je suis vraiment bouffon. Ah putain. J'arrive pas du tout à caler les bons kills droits. Oh ok, d'accord. Oula, il se passe quoi là? On n'a pas réussi à tuer le Winston, du coup il a ult. Ça m'étonne un peu. Allez, on fait des pics là. Voilà. Et moi je vais sur le point là. Ok. Un seul point. Ouais. Mais putain, mais c'est un scandale. Ah non, oui, Aranzo. Oh là, Widow sur la droite. Putain. Je savais pas qu'il était là. Ah, ça passe. On dirait que ça passe. C'est bizarre ce point de vue. Tu reviens, j'ai mon ult, faut que je le lâche là. C'est le moment. On a réussi à garder le point. Moi j'ai bientôt le mien aussi. Le problème c'est que je suis super. J'ai carrément pas le bon perso contre leur team. Ah oh, t'es sérieux? T'es sérieux? Y'a eu le mur du sang. Oh putain merde. Je me suis pris une sale tête de fatal et j'aurais dû ulti. Je peux pas jouer ce perso en vrai. Je peux pas. Il faut que je joue. Ah d'accord. C'est juste pas possible. En fait, les mecs me mettent des têtes le temps que je me balade en ult. T'sais. Et encore, la hitbox de tête a été réduite. Pour Chopper. Pour Dog. Ouais, je l'ai senti quand je jouais Macri. Et qu'il y avait des c'est vrai que c'était complètement retard. Même moi qui ai une aim en mousse, j'arrive à faire des trucs quoi. Comme la prochaine set. Il faudra que tu me heal si tu peux me choper. Ah je t'ai chopé, mais en fait t'as fait le tour par là où il fallait pas. Ah mais non putain. Oh mais ouais, on a Widow quoi. Il est toujours à droite là. Ouais, tu es sur le point maintenant, il va se faire défoncer j'espère. MDR si on capte ce point. On en revient toujours à la dive, hein. J'aime pas du tout cette comp, mais. C'est du Wailer ça. En vrai, contre dive comp, quand tu prends Macri ou Soldier, ça va, tu vois, mais. Ou Reaper, t'es bien. Et c'est clair, quand tu joues Zenyatta ou Mercy, c'est. Désagréable. Ah, bah Tartiflette s'est barré, c'est pas plus mal ça. Mais elle est en train de me cancériser le cul. J'ai fait une game avec Anna pour voir si j'étais pas mauvais. Je suis très nul, ou alors mes mates étaient horribles. Peut-être les deux. Après c'est vraiment, moi je trouve que c'est, honnêtement je trouve que c'est un des healers le plus dur à jouer parce que bah, c'est full prise de en plus du aim et tout que t'as à gérer tu vois. Genre merci t'as pas le aim à gérer, c'est que de la prise de décision. Alors qu'Anna c'est full prise de décision plus aim, c'est ça qui est vraiment dur je trouve. Quand est-ce que je DPS, quand est-ce que je grenade, quand est-ce que je grenade heal tu ouais vois. Après t'as quand même plus de survie toi. Non mais bien sûr personnel, que du coup ça. Oui t'as plus de survie personnelle mais je te parle des choix tu vois, genre faut être vraiment des bons nanas. Ah genre tu vois là, voilà, enfin, j'ai cru que t'es parti sans. J'ai discord un truc, je crois que c'est Lucio. Oui, c'était Lucio. Mais bon, je vais mourir moi. Ouais, bah, pourtant t'es en machin. Ouais mais j'étais en Discord aussi apparemment. Ah putain. Bon je t'entends Zo, tu m'en voudras pas hein. Ah mais non je suis le seul tank, non. Non y'a Diva. Le problème c'est que les DPS ils font pas grand chose quoi. Ah oui je pourrais jouer Soldier mais ce serait un peu du tryhard en QP tu vois. Ils se font courir mais je sais pas. Oh, ça va, c'est... Le Genji il tryhard le pick alors que bon Allez 3 balles t'es mort. Ah je fais y'a baiser. Aïe. Ah putain, j'ai bientôt mon ult en vrai. Ouais, j'ai le mien. On va y aller alors, on va y aller. Oh là 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 là. Quand je disais on va y aller, c'était pour tu ult. Non, mais la traceur elle est arrivée, elle m'a vu, elle a fait oh, une chips.
Ah mec, c'est tellement bien en vrai de taper sur Zenyatta, c'est une boule. C'est une grosse boule. C'est idéal pour s'entraîner à faire du tracking. Bon, ouais, j'y vais. Hein. Oh, mais shit, man. Elle l'a mal calé. C'était pas loin, mais elle l'a mal calé. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans la team ennemie. T'es un poil tout seul, mais... Pour notre gueule, je go ult. Où sont les ennemis? Ok, il y a double sérénité, c'est ridicule. C'est la tempo. Lanzo, il veut ma gueule. Putain, mais moi je veux sa gueule. Faut pas le Discord, Lanzo, il a 10 HP là. Il est où? Voilà, sa gueule. Mais moi je me suis fait pop. Discord, il va. Je suis mort. Je me suis fait salement poker la gueule. L'adversité offre des opportunités de changement. Oui, putain. On avait un manque sérieux, il faut que tu recules un peu. J'ai tenté le jump sur le pont. Ouais, j'ai réussi. Ouah. Bon, voilà. Ah, tu te fais. Non, mais le singe et la tresseur qui me sautent dessus. Ah putain, j'ai eu mon ulti à l'instant où je suis mort. J'ai une tristesse. Bon, ok, c'était pas fou. Non, mais ça va. Là, on est chaud. On va pouvoir. On est chaud. Je tag une rank. Hop, j'ouvre un petit coffre. La légendaire, évidemment. On le dit. J'annonce, descends pas au-dessus, en dessous du diamant. Épique. Ça va, tranquille, mec. Il faudrait faire 500 points. Il faudrait faire 20. Non, mais pas en dessous du diamant, en dessous du master. J'ai 52 points d'avance. Ok, on va voir. Après, je te dis early master, t'as tendance à aussi. Et après, ça, une fois que t'es parti. Moi. Ils sont partis! Dans les couloirs du temps. C'est quand même hyper pratique de voir les... Ah, t'es passé 3 étoiles! Oui, t'as vu? Incroyable. Magnifique, tu n'as plus que 36 levels de retard par rapport à moi. Oui. Ah d'ailleurs, Doomfist normalement au prochain gros patch avec le... Et c'est quoi, ça sera un gros tank? Enfin genre type off-tank, genre Zarya? On n'en sait rien, mais le patch PTR en fait là, qui va bientôt passer dans les fichiers, ils ont gardé, il s'appelle Doomfist / Summer Games. Feels good, man. Ça veut dire un petit héros plus un event. On pourra enfin rechoper les anciens. Ouais, avec encore des coffres à 1 chance sur 25 d'avoir une légendaire, et quand c'est une légendaire, c'est un doublon ou un torbulon. Oh, c'est le diamant au milieu de tous les messieurs. Putain, mec, ça... J'étais 3K8 quand même. Merde. Ça, c'est le MMR. Hello, guys. Je partirais bien sur un... Hello, guys. Je vais regarder ce qu'on a, nous. Hello, team. Hello, guys. Oh, il y a une nana. Je... Ah, Vortex, putain, on a un même merci avec. C'est bon. Vertex, Fifou et Doom, j'ai déjà joué avec eux, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je fais? Fifou notamment, ça me rappelle bien quelque chose. Ah putain, mec, quand t'arrives en mid-master, early grand-master, y a tellement plus de monde que quand tu fais des games, tu retrouves quand même souvent. Oui, tu retombes. Bah là, j'ai regardé sur Master Overwatch, il reste 8000 personnes au-dessus de moi, quoi, donc c'est plus facile de tomber. Ouais. Exact. On peut prévoir de racheter les skins de l'an dernier? Bah d'après ce que j'ai compris, ouais, normalement tu pourras prévoir de racheter les skins qui te manquent. D'ailleurs c'est cool, surtout que c'était l'event où tu pouvais pas acheter les skins. Ouais. Mais tu sais, comme ils vont changer aussi le loot des doublons et tout, ça sera un peu différent. Ah, que tu peux pas avoir de doublons légendaires dans un event, un truc comme ça? Bah non, dans les boîtes, ils ont... comme les gens arrêtaient pas d'avoir que des doublons et que ça saoulait les... Enfin, tu sais, à partir d'un moment, t'as que des doublons. Bah ouais, moi c'est ce que j'ai, alors qu'il me manque encore beaucoup de... Voilà, donc du coup, ils ont fait en sorte qu'il y ait beaucoup moins de doublons et en même temps que tu gagnes un peu plus souvent de la thune. Vertex, take a pick, please. Thanks. Vertex. Ouais, un peu la bourre, l'enfant. Non, mais c'est bon, il y a Lucio qui est allé chercher. Nice. Je vais... Si vous pouvez me permettre de jump. Ouais. Bon, on est chaud, poulet. On est chaud. Allez. I think they got Widow. Yeah, ils ont Widow. Yeah, they got Widow. Careful. They got boss. Widow, ferme ici.
take care of the Pharah. Genji left. Genji, Doom, with us. Yeah, we do. J'ai traversé. Go on, Widow, Liva. If you can. Ouais, c'est rare ce que je prends. Merci one, merci one. Genji, behind us. Ouais, c'est rare, c'est là. Ça se passe pas trop mal. Genji. Widow one. Genji on point, Genji. Ah, ils sont en train de cap là, bêtement. Genji left. Attends, on peut pas. Power behind. Qu'est-ce que je fais, je raise pour so- Ah merde, j'aurais dû raise. Ah, la Widow elle est solide. Oh là là, l'erreur. On a la merde. Yo. Go back, go back. Je vais où le besoin m'appelle. Can you go Winston instead of Diva, please? Ça, j'aurais dû raise pour survivre, mais je m'attendais pas à ce que la okay, Widow me défonce autant. Focus derrière, derrière, derrière. Nice. Ok, rush. Non, c'est un mec qui a 12 ans ou c'est une nana? Left, alone? Ah, je pensais une nana. Ah, qui s'en fout. On dirait un gars de 9 ans. Nice. Ok, good job. Widow top. Ouais, je mets deux têtes. Nice. Ok, I can drop the piston. Ah putain, la diva est slip au-dessus. Ça va ult soon. Le Genji va ult sur top. Nice. Ok, go, go in, go, go, go. Oh, nice. Merci, get the mercy. Merci, merci. Merci, let's. Merci, Zlo. Diva. Widow, Widow, Widow. Widow, left side. Go back, guys, go back. So greedy. Wow, wow. Je peux sortir, je suis sorti. Genji one, 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 one. Quel ult, Pharah ult. Oh oui, c'est une putain de française, ouais. Pharah top left. Quel ult. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais moi je m'éloigne un peu. Y'a personne qui a de la vie là, je suis trop au taquet. C'est tendu. Oh là. Wouah. Il nous push mon gars, il nous... Oh la vache. Ça prend tellement de respect gros. Try to contest, merci Canvas, if you like, contest, contest. Come on, go in. Attends, on va faire... Merci Canvas, go go go. Faut y aller, faut y aller. Y'a personne dedans. Ok, soldier. Soldier left. Oh putain, on n'arrive pas à faire des piques. Ouah. Ah la vache. On n'arrive pas à faire des dégâts. Hein. On n'y arrive pas. Hein. Le Dival tente qu'elle monte de son... Il nous pousse, mais alors il y a une pression. On manque de pression, nous. C'est dingue, hein. Je pense que je suis l'élément faible. Enfin, là, là sur le deuxième poche, là, je suis vraiment. Ouais, c'est bon. Putain, on prend des balles, je sais pas de sortir. Au moins, un coup, s'il te plaît. Mec, y'a tellement tout le monde qui a plus de vie à chaque fois. Lucio, il était mort, du coup, j'ai galéré pour. Putain, mais je suis comme une chienne, hein, c'est bon. À limite, prends Reaper si vraiment tu sens que t'as plus de. Je peux pas t'avoir. Ok, c'est bon, c'est bon. Va falloir choper la merci. Merci, merci, top. Merci, get the merci. Merci, left side. Ah. Oh lol, merci, Mara. Oh là 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 là, ce petit boost qui a été parfait pour péter le Genji. J'étais en 9v1 avec Genji, merci, t'es arrivé en mode sneaky. Ah non, je voulais faire un doublé, mais t'es mort avant. Hein. Bon bah, allez. Là, c'est le moment. Ah, ah putain de merde. Oh lol, la ligne de nuit. It's okay, they use menus. Just die. Tu peux venir vers moi? Bon bah je vais, bon tant pis, je vais go suicide. Vas-y, vas-y. Fais gaffe, ça va t'arriver dessus. Il va falloir tempo, je pense qu'il faut sortir une maille. Y'a un Genji derrière toi. Hein.
Ah sale, t'as chargé. J'ai arrêté le payload 2 secondes à peu près. Get on the payload, get on the payload. Regardez là, qu'est-ce qu'ils font les gens, putain, mais what the fuck. Oh là 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 là. Ah, c'est pas bon hein. Ah, on s'est fait rouler dessus. En termes de pression, je l'ai senti. Ouais. Je sais pas, bad comp, non, 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 c'est... Et nous, on n'arrivait pas à répondre, hein. Je pense que c'est tout ça. Oui, c'est ça. Je prends quoi, Zen? On va essayer de mettre un peu de pression. Et le dive comp, please. Okay. Ok, let's go dive comp. Dominatrice, ils disent pour la nana. Je te jure, j'ai vraiment l'impression que c'est un gamin de 12 ans. Ouais, je sais pas, ça... Après le fait que ce soit un main, merci, me met la puce à l'oreille. Néanmoins. Je t'emmerde. Bon. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Moi, tu vois, dans ce genre de cas, j'étais. À chaque fois, j'étais obligé d'être, franchement, allez, 10 mètres derrière vous. Tellement il mettait la pression pour pas que je me fasse arracher en 2 secondes et que je puisse mettre des coups, quoi. Ouais, c'est parce que nous, on n'arrivait pas à faire des pics pour les faire reculer. Ah non, non, ils étaient là, ils... Genre la Zarya, typiquement, genre, on n'arrivait jamais à la tomber. Hein. Dès que je tirais sur Zarya, elle mettait son shield. Et dès que j'avais l'impression que son shield était plus là pour mettre une grenade, pff, pareil. Incroyable. Je sais pas. Je pense pas que notre comp, elle était mauvaise, c'est nous qu'on arrivait pas... Élaborer ça, Hanna. Je vais annoncer les Discord. Veuve, merci. Let's focus, merci. Yeah. C'est la Widow, ouais, quand elle pas... pique au début, c'était chaud, hein. J'aurais dû y penser. Vav Zarya, Orisa, Anna. Tu peux pas savoir qu'elle allait te mettre une tête. Ouais, mais tu sais, sur le début, les pics de Fatal, ils font vraiment mal. Hein. Ouais. J'aurais dû y penser. Ça. J'aurais jamais ouais, dû faire pique. J'ai pris mon midlife, t'es fait ça. Ah, sale. Kai au purple. Pas Zarya, ok, go in. Discord Orisa. Merci one, Orisa one. Okay, nice, merci. West side, merci, West side. Oh, ta gueule. Nice. Ah, il a raison, faut faire des calls. Para. Para left. Macu left. Para behind. Macu low. Oh putain, il t'a mis. Oh, il m'a mis. Para behind one. Macu really low in the house. Nice, really die. Je ne fais plus qu'un. Nice, good job. En fait, on était bidon en défense et alors on est tous bidon en défense. C'est surtout ça. C'est vraiment, moi je trouve ça vraiment plus dur. Ouais. La défense, moi je trouve ça beaucoup plus dur. C'est pour ça que je remercie. Vraiment organisé. Le temps que je flanque, on avait tué la moitié d'équipe, tu sais. J'ai discordé un truc. Ah, c'est là derrière. Putain, j'ai chargé. Voilà. Oh, what? Ils l'ont raté? Ouais, ils l'ont raté. Quand, ça arrive des fois, hein. Surtout avec le nouveau hook. Ok, go in. Go in, go. Moi je suis sur le fait gauche. Oh, t'es sérieux là. Wadak, nice. Get the messy. C'est one, nice. Far around the payload. Push the payload. Putain, je. En vrai, fait les calls propre. Voilà, par contre, je suis seul sur le payload et on avance pas. Far low in the background. Nice, good job. Two people on the payload, please. I can drop the bit. Ah putain, j'ai pas pu. Elle est prête. Voilà. Oh là là. Oh. J'ai mon ult. Est-ce que je go ult? Non, pas besoin. Pas besoin. On est en bien race. Mets-moi une petite orbe là et je repars. T'es où? Je t'ai raté. Ah, c'est bon. Oh, c'est pas grave, je suis bien. Il cherche toi. Ok, j'ai mon ult. You can go, Tracer, go. Il est trop loin le. Go, follow Winston, follow. Putain, j'arrive pas à la voir. Merci. Merci Discord. Merci. Nice. Ah merde, on aurait Discord. Sorry. Ok. Ouais. Winston. Anna. Oula. McCree, be. Oula. Nice. Ouais, t'étais mort. Qu'est-ce qui se passe bien en vrai, hein. Ouais. Zarya. Zarya one. Ok, Discord. Ah putain, mais elle s'était de fou. West side. Get Zarya, first. We need to get Zarya.
Je score direct, combien? On a plus de tank, c'est ça le fouché. Là, je suis là. Get the mercy! Oh la vache, elle bébule de l'infini! Faut que tu finisses. Je suis mort. Je suis déjà à 75% de mon ult. I'm waiting for you, Winston. Hey, wait, yep. Don't die, please, Diva. Come. Guys, wait. Don't get picked. Salut! J'arrive pas à gérer les clics droits encore. Bonjour! Winston. Fire! Fire slow! Okay. Let's go! Zarya, Discord! Zarya! Yes, Zarya! Winston low! Zarya! Winston behind! Winston low! Mourir. Ah quoi? Pourquoi il l'a calé? Par un payload! Discord! Ah putain! Merci top! Il a 10 HP quoi! Get the mercy, get the mercy! Merci en payload! Allez, one! Merci right! Get the mercy! Payload! Dead! Oh putain mais what the fuck! On n'arrivait pas à les poker sur le payload! Farahal? Non, pourquoi il a ult si tout le monde qui était mort? En vrai, s'il fait. Non. Il faut le faire dans un push, pas au milieu d'un push, ça. Back, go up. Ouais, recule. Ah! C'était trop. Pardon. Hein. Ok, wait for a run. Putain, on avait super bien commencé, il me tient de ouf. Cancer. Let's go, thanks. Ok, we can go. We have the ult, go. Let's go. Get them mercy, get them mercy. Merci. Elle est au-dessus. Putain, mais Zarya, c'est rouge quoi, là, c'est putain, non. Merci. Un payload. Ah. Ok, she red. Avec quelqu'un qui pousse en sneak. Au pire. Non, c'est pas possible. Faut que tu m'y frattes parce que je suis en train de. Je suis mort. Par contre, Lucio n'a pas l'air d'être mort encore. Ok, Winston, payload, Winston. Putain mais... On n'arrive pas hein. Ok, go back. J'ai quelqu'un qui pousse. Je suis en train de push un sneaky là hein. Ouais, t'es mort. Reviens. Je suis mort que là, je l'ai pas. Je m'en vais. C'est qu'on n'arrive pas à finir les pushs. Oh le fils de pute. Ah je l'ai pas vu venir, je l'avais trop bien vu. Oh là là il m'a... Oh là là. Putain je suis une brêle. Putain on va pas y arriver quoi, c'est chaud. Ok let's go, push. We got a big, let's go. Oh la vache. Non. Va falloir finir là. Fonce dessus. Je suis un sneaky push là. Oh la vache. Ah oh, putain, je suis vraiment une sale merde là. Oui. Ouais, que ça. Tac, Diva. Il sert plus à rien, Winston. Ah oh là là. I can always. Ça, c'est dommage. On a vraiment du mal là. Ouais. Ok. Ok, wait and go together. Oh shit. Quoi? C'est passé. Incroyable qu'on se prenne sur les culs, pardon. Putain! Mais tu fais pas de dégâts, c'est affreux! Ah, mais non, il y a eu la. Ah, sale! Elle m'a pas eu, elle m'a pas raise. Non, elle a pas pu t'avoir en fait, elle a essayé, mais je crois que t'étais trop loin. Dieu! J'ai vu l'action. Pour une fois que je vois l'action de derrière. Get the messy, get the messy! Je sais pas où elle est. Ah, sale! Lol. Je gulte. Je veux dire, si j'entends Elden Charbonnier, je vais péter un câble.
Stamp payload. Focus Winston. Winston, Winston, Winston. Un payload. Oh putain. Oh la vache. Ah c'est tellement sale ce fin de game. Oh super dur. Oh. Il y a de massé. Faut surtout choper le putain de Winston. J'essaye. Ouais, ils sont carrément meilleurs que nous. Y'a GG, guys. Y'a GG. En vrai, ça va, on a bien joué. Enfin, je veux dire, les mecs en face mettaient vraiment une énorme pression. Alors, sur la deuxième partie, on a bien tenu la première partie de la défense, mais alors sur la deuxième partie, là, au mid, oh, ils ont fait un push, mon gars. On est. Ouais, on a fait un peu pareil au final. Hein. Ouais, mais on a pas tenu la fin. Peut-être que j'aurais dû switch sur May sur la toute fin, histoire d'être bien. Casse-couille. Ouais, possible. Action de la partie. Don't blame me. Don't blame même. Ah oh là là, Octazer. Ah, là, qu'est-ce que je déteste cette composition. Oh là là, il brûle tout le monde. Comment tu veux. Ah. Bon, allez, on est reparti. Là, je la sens bien la next. La next, ça joue Soldier ou. Oh. Ouais. J'ai perdu combien. Ouais, ça va. J'ai perdu 28. Oh merde, j'ai payé ma 4G. Hop. Ah. C'est le moment d'aller glouglou. Fait tellement chaud. Il fait tellement chaud, oui. Ça va en vrai. Là ça va, on respire un peu plus, j'ai même pu aller courir. Oui, courir quand il faisait 37, t'aurais fait. En vrai c'est pas plus mal, enfin genre au moins là quand tu cours à 37, tu rentres chez toi, tu prends ta douche, tu fais. Ah ouais, non mais courir à 37 c'est le truc pour t'écrouler en arrivant, tu sais, t'appelles le SAMU. En termes de déshydratation, déjà qu'à 26, je suis en train de mourir. Je suis en train de. Ah, moi j'aime bien. Non, moi j'aime pas trop quand il fait chaud. Je préfère les pays du Nord, du coup. Mec, tu peux prendre moins de 40 au Canada. Putain, la vache, la côte. Ouais, bah. Bon. Hello, mates. Oh merde, Ando. Ah. Ah. Hello. Je pense qu'on devrait prendre un hit scat. Ah sale, il y a deux mains de merci dans notre équipe. Hello. On a que des putains de healers. Ah ouais. Putain, what the fuck, ouais, en effet. On a trois healers. Enfin deux, musique et. Qu'est-ce que je prends? Ah. Diva, je présume. Comme ça tu laisses le heal à musique. Oh. Je pourrais tank, mais ça me fait chier. Puis je sens qu'ils vont faire de la merde. Un type qui commence par un stapi Kanzo, ça me fait toujours un peu peur. Non, franchement, moi ça me fait pas peur. Hein. Honnêtement, en général, les gars qui prennent des persos Kanzo, ou Fatal, à ce niveau-là, c'est qu'ils les maîtrisent, tu vois. Je trouve. Hein. J'ai regardé un peu plus sa carrière. En saison de compétition actuelle, il a fait surtout de la Ana. Ouais, d'accord. Et 60 heures sur Ando, Anzo en quick play. Il le sort jamais en. Donc ça tu vois ça me fait chier parce que moi par exemple je joue dans Tanzo ou Fatal pour me train en QP mais j'ai clairement pas le niveau pour les sortir hein. Bon Fatal mec tellement dur quand t'as Winston qui te tombe sur la gueule et que tu fais pas quoi faire. Magui, on va aller à droite. Go right please. Bon bah là faut servir à gauche. Sauf Tracer évidemment hein. Ah y'a une Orisa. Oh putain. Ok, let's go, go left, go left, come on, fast, go left. On y va. Go. Quick. Ok, c'est bien, c'est merde. Faut que j'améliore mes APM.
sale. Ah, évidemment, Anna qui suit pas. Il y a une merci, il va falloir choper la merci. Faut que tu matrices quand je shield pas. Ouais. J'essaie de me casser. Ah putain, je peux où? Elle en a, en vrai. On fait rien du tout là. Qu'est-ce qu'elle est sur ça? Ah, come on! On n'arrive à rien là! Je t'avais dit que les putains de. Les mecs qui ont piqué DPS ils faisaient rien. J'étais gold medal de dégâts avec 400 de dégâts, what the fuck. Ouais, je suis gold maintenant. Ok, je suis à 59% de l'ulti. Prends de faux mail là, ouais, nice. J'arrive. C'est pas possible, il triche! On a perdu une 5, une minute et des patates pour rien du tout. Et no shield, no shield, no shield! J'arrive. Triple tank. On va carrément manquer lui. Le DPS. J'essaie de les faire tomber mais c'est pas. Ouais, j'ai mis sa race. Va falloir choper la merci. Get the mercy. Elle est où? Try one. Someone just tickle. C'est moi, j'ai eu merci. C'est moi, je suis le café, frère. Ok, moi j'ai mon ult. Oh là là! Appelle-moi machine de guerre. Oh là là. Elle va tenter la tempo. J'avoue, parce que vu le. Moi j'ai mon ult, je vais essayer de le balancer à l'attaque sur le second. J'ai le play of the game. Bah, si c'est pas... Ouais, je les ai enculés, nickel. C'est moi, je t'ai pas pu voir ça, mon garçon. Et t'as ult toi? Ouais, je t'explique. Je suis entré, j'ai chopé la merci dans ma charge. Et après je me suis retourné, j'ai ult 3 personnes et je les ai massacrées. Je sens que je vais ult sur le payload, de toute façon le point. Mais attends, pas encore. N'oublie pas que merci, elle a son... Il y a Pharah là. Far behind. Je go ult. Non, je fais de la merde, si tu veux. Mais... Ah, j'arrive. Okay. Misplay. Bah toi aussi t'as misplay, du coup c'est... Ok. Ah, là, ça se passe mal. Hein. Et je me reçu. Elle est au-dessus. Ah, j'ai un tracking en mousse. Ah mais attends, on est à triple tank là. Bon, j'ult ult et fast et après je swap. Pas sur qui encore, mais... Fuck. Nickel toi. Ah mais t'es sérieux. Putain, par contre le gars Yuri là avec sa diva il est monstrueux hein. Je sais pas comment il fait pour faire autant de dégâts avec une diva parce que ça c'est incroyable. Moi je suis gold de dégâts avec diva là. Entre la Pharah a complètement waste son ult. Ah putain, ils ont un rip. Oh là là, ils ont tout pour counter le Winston là. Ah putain, merde, j'ai réveillé la. C'est de la merde. Ah putain, j'ai raté le dessus. Faut choper la merci. Good job, let's go. Il reste le hog, mais on le gère. Elle est où? 1, 2, 3. On va aller chercher. Je vais ult sur le point. Je la merci. Tu marques tout le temps la merci. Je suis dessus, faut y aller. Ça va? Allez, elle a 2 PV, ce putain de. Merci, monsieur Fast. On dit pas qu'on n'arrivera pas à caper, ça serait stupide. Oh merde. Ah putain, la Pharah elle m'est tombée dessus. C'est la diva, elle nous a empêché de caper. Ah, c'est surtout qu'ils ont fait la merde. Putain, je suis toujours premier aux dégâts quoi. Putain de tank. Je viens à peine de sortir DPS. Je pense qu'on aura besoin de... Je vais faire grimper mes APM. Toi tu vas avoir besoin de merci plutôt. Ouais. Ouais, genre si tu mets ta boule en l'air... Mais je suis garde la boule. Je suis diva moi. Ah ouais, je suis con. Putain, j'ai mis 2 hits à la... Regarde, ça te follow.
Putain, j'ai matrice. Je suis à 98% de mon ult, mais je suis en hors boîte. De ripé, il va sous nul. Oh oui, faut que je... Oh, allez l'ami. Non là, les mecs qui disputent. Hein. Good job guys. Ah. Une voilà, de CP qu'on arrive à choper, chaud. Ça a été compliqué mais c'est passé. Mais bon, je joue DPS du coup parce que l'autre il a vraiment rien fait. Changement de côté. Le premier point, c'était vraiment solo kill en vrai. Je prends quoi? J'ai envie de jouer Mei en vrai, je pense que ça peut faire le taf. Je prends quoi moi? Sur le premier c'est un peu chaud. Hein. T'es sûr sur ton Macri? Ouais ça va. Bon bah... moi je prends quoi du coup? Bah qu'on merci sinon. Ah non, bon. Ah bah. Attends, qu'est-ce qui se passe? Go merci toi. Non. Donne le soldier, ok. Et moi je joue chauffeur. Ouais. Le motard de l'apocalypse. Moi je suis joué bien diva. Mais demande lui au pire. Non c'est bon. Non, la dernière fois que t'as dit non c'est bon, ça c'est bon. C'est un Rodog. Je sais jouer un Rodog. Oui, je sais bien. N'envisagez que la victoire. Je vais prendre un Reign alors. Yeah, swap Castellino, get Reign and Celandron pick Diva. Go fast. Fine. Thanks. Thanks guys. 20 secondes, c'est large, tu sais. Tu sais, il a été un peu mou du Zgleg sur les premières. Par contre, faut que vous reveniez vite. Hein. On arrive. On est une. Ils vont arriver. Faut que tu te mettes à la porte direct. Ouais, t'inquiète, je suis là. Regarde, t'as vu, je suis là. Ouais, j'ai vu, c'est parfait. Ok, ça sert. Ah putain. Monsieur. Prends ce pourrir. Ah putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est la traceur, elle nous a split de l'infini. Y'a qu'un qui doit y aller, c'est moi, c'est Matt qui va chercher Tracer. Hein. Parce qu'ils ont foutu en vrai. Ok, go back. Just defend B. Don't split against Tracer, just let me do my job. I'm going to kill her. Don't let her split you. Ils comprennent pas les gens en fait. Alors, quand t'es Winston ou Diva, t'as pas besoin d'aller chercher. Quoi? Ou Reinhardt, n'importe quoi, t'as pas besoin d'aller chercher Tracer, tu peux pas l'avoir de toute façon. Quel singe dit? Ça, c'est supprimé, Bogdan. Singe, je l'ai mis super low. Faut que j'aille. Par contre, faut que. Bon. Hello, where are you? On manque tellement de heal. Est-ce qu'on a un res? Putain, non, on a pas de. Ah ouais, là, c'est pas son taf. Hein. Ouais, après, je réveille ses slips, mais je le fais pas exprès. Eh bien, un swap to Mercy for this point. Maybe it's late. Je suis presque à mon nuit, je peux tempo aussi. S'il y a quelqu'un dessus, je peux tempo. Ah, mec, c'est fini. Putain, c'est vraiment de la chier, ça m'énerve quoi. Bon, on blame pas. Là, vraiment... Faut que c'est, il joue pas, hein. En vrai, faut que c'est, il joue pas. Hein. Non, c'est terrible. Hein. J'ai pas vu la merci. Il faut qu'il prenne merci, c'est pas Johanna. Préparez-vous à attaquer. Choisissez votre héros. Mais en attaque. Ouais. Je prends quoi?
Ah putain, mais Foxy, il faut pas qu'il prenne Anna en vrai. Bon, laisse tomber. Ça risque d'être ultra tendu, on n'arrivera jamais. Bon, on va partir sur ça. Mais moi, je vais tenter des piques, hein. Godiva, ils vont jouer Shield. Ils vont pas jouer Shield, je pense qu'ils vont rejouer Diva. Tu penses? Ouais, je pense. À voir. Sinon, tu swap fast. De toute façon, ça me paraît tendu, hein. On s'est fait snowball. Le problème, c'est que non, mais c'est juste qu'on a pas de heal de la part de Fuxé, quoi. Enfin, franchement, il se place super mal et du coup, il se fait déboîte. Bon, les combats de Diva, enfin de Pharah, c'est rigolo 5 minutes, mais. Je buse le shield. En tout cas, je tente de buzzer. Ouais, mais il met plus la fête là. Tout ce que je fais, c'est se charger la Orisa actuellement. Oh quoi? On peut plus rien faire avec ce putain de Rodog. C'est tendu. Je body block. What the fuck? Ben ouais, ils sont pas là les healers, c'est ouf quoi. Ouais, pour l'instant j'ai des healers au cul, mais. Mais merde! Genre, il se place trop mal, c'est dingue quoi, il se place dans la mêlée. J'ai 0% de grammes, mais c'est parce que je me fais bum dans tous les sens. Encore 60 secondes. Se charge. Ah, j'ai fait un pic là, on y va. Ouais, va falloir choper la merci. Elle est où? Colle-moi. Cessez toute résistance. Sur le top. Lisière tactique activée. Y'a plus de merci. On se cache. Tu sais, je l'ai tué. Ok, c'est bon. Ah bah, voilà. Les 3 pics, ça a débloqué la situation, je crois. On reste dessus. Moi j'avance avec. Pourri avec mon Rodog. Allez go. On a 40 secondes pour faire un snowball. Ouais, mais c'est ce que j'essaie de faire. Ok. Je... J'ai la diva sur mon cul, dans le bâtiment. Putain, elle fait tellement DPS. Oh là là! C'est lui qui m'a eu. Power behind. Putain, elle s'est fait tuer en premier. Putain, ils sont nuls quoi. C'est incroyable. Ça me dégoûte. Je jure. Voilà. 3 à 2. De côté. Ok, bon, ils vont revenir avec Pharah, donc je pense que là, ce coup-ci, on peut prendre Diva. Moi, il faut que je change Pharah pour un... Bon, il l'a prise, donc ça va. Prends ta merci, toi. Ouais. Parce que c'est bon, ils sont nuls. Voilà, on va faire pharmacie, nous, ici. On ferme ta gueule, Réa. Hop. Quand un gars me saoule, je le bloque. Non mais c'est pas... En fait le truc c'est que genre le... Foxy il est pas du tout à l'aise sur sa nain. Et musique il est moyen sur... Merci. Et du coup genre on peut pas setup des trucs tu vois. Genre ils sont trop lents sur les décals de heal, j'ai remarqué. Les bonnes teams. Après, avec les healers. Karsin ou Genji il joue vraiment bien par contre. Enfin, il est vraiment solide. Bon j'essaie de pas te lâcher. Non mais après tu peux me lâcher mais genre faut qu'on... On se le dise quoi. On se le dise. Un petit coup de fouet. Salutations. Ça va. Ah mais. En vrai, là je pense que si Karsino il joue bien, il va carry comme les derniers trucs. Là je suis pas mal aussi. Ah, je l'ai lâché parce que t'étais trop haut. Ils ont un Genji. Wouah, ok d'accord. T'as pris une balle? Je sais pas. Ils ont ruiné, merci. Il y a même 13 heures sur le top. Oh la vache, c'est bon là. Je vais leur demander. Ah mais putain, 13 heures.
Quoi, cette distance qu'elle m'a mis? Oh! Mec, ce type est un monstre. Ok, il se gaffe car c'est le Genji. Ouais, pour l'instant, on se fait un peu manger. Hein. Winston, au rapport. Ça va, oui, Diva? Il s'amuse bien sur mes fesses. Ouais, bah recule. Oh là là, il est tellement mort. Laisse tomber, va. Bon, dommage. Bah, on a 5 minutes pour tenir le deuxième point. Faut pas qu'il nous snowball. Faisable, hein. Go back, we need to pop up on the point, please. Je pense avec une mace, ça peut passer. Putain, mais il est con! Ce type, il a failli crever! Et je te l'ai dit, mais il sait pas se placer, faut que ça bidonis et compagnie, ce type. Oh shit! Trop loin, beaucoup trop loin, il s'est complètement foiré. On a un Genji sur le cul. Tiens, tu me gaffes, Genji, voilà, ta gueule! Les viseurs tactiques, ouais. C'est nous. Par contre, il y a qu'un seul tiers de dispo. Putain! Je vais bientôt avoir mon ult, faut que tu viennes m'aider. Je suis mort. C'est là. Déjà derrière toi. Ah putain, mais évidemment, au moment où il fait le mur du son, quoi. J'ai mon res, mais il faut que je puisse sauter dessus. Allez! Bon res, c'est bon ça. J'ai pris May parce que. Derrière moi! Putain, mais on se fait poncer la gueule, hein! Putain! Et j'ai non, fait un triple res. Je me suis fait body block! Non, mais tu le crois? Je me suis fait body block par le. Mecha Diva. Incroyable! C'est dommage, je vais préférer le Carcino Genji parce qu'il était bon. Ouf. Les autres étaient vraiment. Si, franchement, je l'ai vu jouer, mec, il a fait son taf. Les autres étaient vraiment bidon pour entrer. Ok, le mec Yuri, c'est un putain de TP Diva sur cette saison. Ouais, mais j'ai déjà joué contre lui, je m'en rappelle. Et il avait joué Diva. Ah, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. C'est quand j'ai pris le premier point seul. En plus, j'étais vraiment seul parce que je suis passé derrière la ligne des ennemis. Là, je lui ai pris les fesses. Aïe! Aïe! Après, je t'ai le sauvé la vie. Quel dommage. Ouais, Yuri était bon. Ouais, c'est dommage. Bon, allez là, ça va GG un peu ou quoi? Quelle histoire! Sale affaire! Un coffre avec que des doublons, je te parie. Attends, mais du coup, c'est dans le prochain patch? Oui. Est-ce que je suis encore master? Oui, mais par contre c'est la dernière game que je peux lose. Non mais ça on va la gagner. Riperino. Après, je suis moins bon que sur Diva en même temps. Rodok, j'ai pué la merde. C'est pas grave ça. T'as bien joué Diva. On lit un truc. En même temps, Rodok, il faut s'y réhabituer. Ça fait deux games où on manque de DPS en fait. J'ai trouvé qu'on a manqué de heal. Ouais, le DPS c'était pas foufou non plus, hein. J'étais devant. Le triple res à la fin, ça aurait été l'équipe d'en face, il nous aurait retourné. Hein. Oui. Manque de bol, c'était la nôtre. Pas déçu. Plus qu'à croiser les doigts pour avoir une meilleure équipe la prochaine partie, c'est clair. Ah, mais moi j'aurais bien en team, mais avec un autre compte.
Un jour, je trouverai une team de 6 et je ferai un Smurf, enfin un Smurf, un autre compte où il n'y a que du 6 dessus. Parce que c'est un tout autre jeu en fait. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de Ligue. De Ligue 6, ouais, ça de serait ligue... bien. De Ligue à 6, ça m'étonne un peu. Un route 66 là. Ok. Ah, on a perception, c'était la farade en face. Hey, bah go, vous merci, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, trop tard. Ah. Bon, bah Zen, c'est en attaque, je peux jouer Zen. Oh, guys. Hello, Red et Main Symmetra. Main Symmetra. Simon Clage et Main Genji. Perceptron, ouais. Et Main, il joue que merci, putain, c'est. Putain, Perceptron, c'est le pire cancer du monde, c'est le type qui ne joue que DPS. Et Main, c'est un waifu. C'est un putain de waifu. C'est Lee Girl. Girl. On est avec contre Trump sucks. On va pas pouvoir gagner. On va pas pouvoir gagner. Zen alias Casnozette, oui. Allez, Zen alias quoi? Carrigan sur mon chat qui dit Zen alias Casnozette. Ouais, Casnozette mec. Si t'avais les noix en or, tu serais magnifique. Oui, les petites noix en or. Viens, je te mets un coup de citrouille dans la bouche. T'as que c'était moi tout quoi? Mais non, mais c'est la danse, elle s'arrête pas tant que tu bouges pas. Ah, c'est la danse, stylé. Hop. Il fait passer en mode Discord et tout. Bon, et on prend pas une balle de fatale dans la bouche. Oui. Oh. Il y aurait eu une fatale. Oui, j'ai vu tes 5 petits boules partir. C'était drôle. Ah vache, Zarya Diva, ça va être tendu. Ah mais merde, je peux pas grimper sur le payload, c'est ridicule. Ils sont là-bas tout au fond, je discorde la diva, mais bon, pour l'instant, comment dire. Ah merde, j'ai chargé Azaria. Oh nice, voilà, un petit pic, let's go. Diva, discord. Zarya. Oh, j'ai mis deux têtes à la Zarya, elle a plus de vie. Ouais, j'ai vu ses HP, c'est bon, ça a l'air. Calme-toi, il fait calme. Et là, je suis sert littéralement à rien, à part push le payload, c'est... super triste. Ah putain. Bon, pour l'instant on est en train de caper hein. Vas-y va. Ah, j'ai failli avoir merci. Là. Get the mercy guys. Allez l'eau. Mais bon, je l'ai eu. Allez, c'est bon, j'ai nice. C'était bizarre, ils ont pas voulu descendre en fait. Ils disaient, on a le high ground, on a le high ground. Ouais, c'était, j'aime bien ça. Ils ont trop écouté Obi-Wan Kenobi. Quelle erreur. Mais il dit vraiment ça en VO? Oui. Il me semble qu'il dit, it's over Anakin, I got the high ground. Je crois, d'après tous les memes. C'est pas une connerie parce que ça me semble bizarre de dire j'ai le high ground, ça fait plutôt jeu vidéo, tu sais. Bah en vrai, dans toutes les armées qui sont battues, c'était toujours mieux d'avoir... Oui d'accord, mais dire ça dans un duel, sur un duel de Jedi, ça a aucun sens. Enfin, je sais pas, les types peuvent sauter super haut en mode ninja. Ça fait couper la jambe. Moi je suis là, j'ai mon ulti hein. Moi j'ai le mien aussi, mais j'attends la gravité. Ils sont tous en l'air en fait. Allez go. Ah putain, je peux pas win. Oh non! La sérénité s'offre à vous. Ah merde! On continue de pousse. Mais ça se passe comment là? Ça se passe un peu bizarre, on va reculer. Ah, je suis mort? Ouais. Comment ça, je suis mort? Parce qu'il y avait plus de healer en fait, on s'est fait poker. Il y a Lazaria qui était dans le coin et on a eu du mal. Go on the payload! Il m'a trop déçu, j'ai stun soldier et. Hello, et merci. Et merci, mais j'ai pas pu. Au moment où j'ai chargé, je me suis fait bump away. Par Farah, je pense. C'est toi qui es first sur le temps sur le payload? Oui. Ouais, ok. Je me disais, j'étais argent, je comprends pas. Ouais, j'ai juste standing right here. Wouh! Wouah! Ouf! Not pushing, ok. Non, mais ce payload. Il est cassé ou quoi? J'arrive pas à grimper dessus. Winston! Oh, je te heal.
J'ai plus Zarialo, le... Zarialo. Elle se fait. Oh putain, j'ai mis la... Merci à 2 PV. Ah merde. Je me suis pris une sale... Faut qu'on continue de pousser, il pousse pas. Oh. Ah sale. Soon, j'ai mon ult. Est en train de se charger. Oh là, mais mec, nice. Je veux ult. On est... Allez, on avance, on avance, on avance. Déchite, déchite, t'es sous ult. Ah, y'a personne. Oh là là, je pensais qu'il y avait tout le monde qui followait. Et donc, du coup, je me suis mis de l'autre côté du pylône, mais y'avait personne. Ils étaient tous derrière, j'ai pas compris. Ah, nice. Ma responsabilité. Faisons-le avancer. Ok, nice. Ah putain. Derrière, derrière, le singe, le singe. Je suis en train de me faire. Nazarien, charge là-dessus. Faut la pourrir. Putain, elle a 2 PV. Le singe. Oh putain, dommage, si tu l'as eu un poil trop tard par rapport à la merci. Y'a personne sur ce putain de pilote, faut qu'on y aille. Hein. Je suis. Oh là là. C'est un bordel, y'a personne qui joue correctement là, il faut qu'on se regroupe. Rien, c'est top, quoi. Les ténèbres s'épaississent. Ah, le sera pour s'en tarder. Je suis d'accord avec Mister. Ouais, je viens, hein. Mais c'est juste, j'arrive pas à les finir, quoi. Nous sommes tous des potentiels démons réalisés. Ah, on l'a eu là. Ils ont une mail. Attends. J'ai pas encore mon ult. Discord mate. La sérénité s'offre. Oh putain. Oh là là. Par contre, il va falloir build. Elle nous est avec le singe. Je suis. Sur le payload. On avance, je l'ai laissé là. Au-dessus, au-dessus. Oh, putain, je suis gelé, je suis mort. Parce que je fais. Bon, ce groupe. Ok, group up, please. Il faut qu'on y aille ensemble. On a fait un bon push là, c'était propre. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a personne qui tue les tanks. Le singe il est toujours vivant. Et je sais, je fais de mon mieux, mais mec, la réduction de dégâts elle est infâme en vrai. Mais il y en a un putain de Reaper, il devrait faire quelque chose. Oh, il meurt, fils de pute. Hein. Maintenant, Lazaria il est Uber Charm, hein, donc on va. Bon, je sais, mais c'est moi qui. What? J'ai hurlé. Get the mercy, guys. Je vois rien. Allez, c'est bon. Oh putain. Quoi? Elle a été mangée. Je gult. Ouais, je gult. Faut aller dessus, faut aller dessus, faut aller sur ce putain de payload. Il est con, il essaie de me focus, moi. Le putain de singe, là. Size un peu là, non? Mais oui, y'a personne qui joue. Je veux pas d'overtime. Non. Les chiots. Le singe. Oh, j'grabe la main, y'a plus pas de temps pour voir, putain. Putain, mais ça. What the fuck? Dans quel univers c'est possible ce genre de tempo? Il reste la merci, la merci.
Putain, mais il reste encore un singe, mais quoi, mais quoi? Ah, mais putain! On a pris la. Oh là là, mais c'est what the fuck, quoi. On aurait dû mettre plus que ça. Ah, au moins, on l'a eu! Ouais. Non? Ouais, on a eu, mais on a overtime, quoi. Pff, sale. Mais eux, ils passeront pas le premier point, et puis voilà. Préparez vos défenses. Choisissez votre héros. Allez, go, merci, frère. Ouais, c'est... Amen. Amen, il était solide sur sa merci. Hein. Je pense que tu pourrais carrément go zignette encore. Et comme ça, tu mets une discorde sur les mecs cancer, genre Genji, et moi je le découpe, tu vois. Ouais, je suis d'accord, les Lazaria, il faut vraiment qu'on arrête de la feed, sinon on va jamais y arriver. What the fuck? Art Falls en face, il est level 34. Juste 34. La vacuité est forme et la forme est vacuité. Tu sens soit le smurf, soit le. Nous sommes des gagnants. Le type qui est ultra bourrin. Oh, excusez-moi. Damn. On fait pas la même connerie qu'eux à ne pas descendre par contre. Ah non mais bien sûr, mais j'étais en train de tranquillement poche et je le voyais, vous avez... Eh les gars, vous venez quand? Hey, cut the high ground! Je te jure, sur le premier point, en vrai, j'ai rien fait, hein. J'étais en bas avec mon marteau et... Je fais ok, hein. Coucou. Tu veux voir ma bite? Regarde, j'ai ma danse. Ah, tu fais... Comment ça s'appelle? C'est dans Pulp Fiction, ça. C'est le... C'est Uma Thurman et John Travolta qui dansent. Je sais. Et quand ils sont dans le bar, en effet. Ah, Infara. Wow. Ça s'appelle? Je sais pas. C'est pas le swing, non? Ah non, c'est le twist. Le twist, voilà, c'est ça. C'est le twist, tu m'as aidé. Exactement, j'étais pas loin. Swing. Monkey. J'arrive pas à Discord, je prends Bagdad par contre. T'es où? Bah c'est bon. Discord, non, qui je arrache la tête. Putain, mais il se fait shield à chaque fois. Oh la vache! La Phara, elle nous a cancérisé de fou, elle se file à mon. Attends, on a qu'un hitscan et il est mort. Oh là là, la Phara elle est free, on n'arrive pas. We need another hitscan, guys. We're gonna lose. Ils ont un putain d'enzo en plus. Je suis allé dessus, mais j'ai pris un slip. Est un piètre bouclier. Ouais, non, tu meurs et on concede. Non, tranquille, je tampon. Ouais, t'es seul à tampon. Hein. Seul, Macron. Ouais, non, c'est bon. Oui, mais bon, c'était du bon tampon. T'as gagné 10 secondes. Ah, mais putain, elle est bien, elle est forte là. La gars est forte, c'est pas gars est forte, c'est qu'il y a personne qui a contesté, j'ai l'impression qu'il fait rien le. Macri aim for the Pharah man. Good job guys. Game terrible que ce soit Genji qui devrait aller la chercher. Moi je comprends, des fois c'est méga dur de choper les Pharah. Ça va, oui. Non, moi je vois rien, du coup je balance des. Monkey. Elle est où? C'est de la merde, hein. Oh là là, elle a brain! Oh, le triple reste diamond. Nice, good job, mate. Ah, mais non, y'a pas du tout triple reste. Ah, ça va, oui! Moi j'en ai attiré 3 hors de là. On a un singe au-dessus. On les body block. Oula oula oula. T'inquiète, j'ai ult.
La Zarya par contre elle va sous nulte. Oh nice. Je pensais pas que ça passerait. Et je crois que la bubule en fait elle a été... On l'a fini, on l'a fini. Waouh 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 waouh. J'avais 2 PV. Ah mais mec elle a 1 HP. T'inquiète, oh, elle va se refaire. Non. Zarya est so low, what the fuck. Monkey un... Putain, le sale body block. Ouais, dans le coin là, ce body block de ouf. Par contre, on les a enculés sur la zone. Oui, on les tient bien là, ouais. Et je crois qu'on se prenne. Voilà, j'allais dire ça. Fly on me. Oh là là, déjà. C'est bon, c'est bon, y'a merci qui va pouvoir. Nice. Tiens, j'ai perdu. Tresseur, merci. J'ai perdu, merci. Tresseur sur ma gueule. Ah, je suis mort. Ah non, il a raté le tresseur alors qu'il l'a stun. Regarde, tu t'es brûlé. Mon ulti ah merde. En train de se oh lolo, il a fait quoi le Lanzo là? Il a fait un quadra d'affilé. Ah, il te reste un... Ah merde, ça a sauté. Ah mais ça, je meurs. Je sais pas quoi pique. Je pense que je pourrais. Je pourrais pick Rain. Ouais, went to get on the point. Là sur pique. En vrai, de Rodox c'était mon main tank et. Bah, le ça nerf quoi. Hein. Je suis plus très à l'aise avec lui en vrai. Ah merde, je me suis fait défoncer parce qu'il y avait personne. Et on manque de frontlane là. Oh, oh putain. Oui. Faut que je puisse faire un pique et j'ai pas eu le temps de charger mon nuche à 95 et je suis mort derrière. Attendez. Non, Jean, la merci. Jean, j'ai pas tué la merci avec mon E quoi, mais scandale. Est un piètre bouclier. On a de la tempo, on a de la tempo, on se regroupe. Je pense qu'il faudrait choper une main pour ouais. La. Perception, il joue vraiment bien. Ok, go back, un nouveau pop. On a 2 minutes 40, c'est large, surtout que c'est la partie la plus dure à hold. Oui. Ah, c'est dommage pour qu'il lâche. Il joue bien, Tracer bien l'os. Tracer top. Oh, top. J'ai mis une salle. Elle a recall. Elle a no recall. Hey, group up, no recall, Tracer. Bien l'os. Nice. Faut qu'on aille sur le payload. Hein. What? J'ai pris une sale flèche. Je sais pas ce que j'ai fait en vrai. Y'a un pote. Oh non, j'ai. Ah putain, la 73. Ouais, ah là là. On se regroupe. Ok, group up, on a je suis trop ulti là. C'était mon bad. Hein. Je me suis retrouvé derrière la ligne. Salut Yogi. Ok. Thanks. Je go. Colle-toi à moi. Je peux pas te heal. Ça me cancérise trop les singes. J'ai fait un pic. Oh ce qui. Tic, tic, et bim. C'est dans le genre de cas, t'es hyper heureux. T'es. On a 60 secondes à tenir. Ça sent le. L'ulti Zarya soon par contre. Zarya got ult soon, I think. Ah bah voilà. Dégage. Good job, Mercy. Et il joue vraiment bien sa Mercy en vrai. Je suis dans la merde. Oh oui, la Zarya. Ah non, putain, la merci à un demi-PV. Zarya, please help. Je suis slip, je vais crever. Je suis mort. Nice. J'arrive, je vais arriver sur le spawn. Go, I got you to cover you. La sérénité s'en fera.
Putain. Oh la vache. Attention, il y a une demi-heure. Nice. Ah merci. Oh putain, déjà. Je vais me dire, la note, elle va bientôt l'avoir, quoi. C'est son lieu. Ah merde. Anzolo. Oh quoi. Mais non. What the fuck. Cette méta Winston est horrible, je suis d'accord. Ouais, qui a une plaie dans l'anus en vrai, Winston. Ah là. Bon, c'est nous qui attaquons. Je préfère que ce soit nous qui attaquons en premier. Je déteste les Winston. La vacuité est forme et la forme est vacuité. On remonte jusqu'au bout. Bon. C'est pas facile, hein. Yep. Maybe a Reaper could be great. I don't know. Yeah, nice. Il a aucun skin sur Reaper, quoi. Ou alors il veut faire son son Dark Boy. J'ai trop d'arc. Dark. J'ai trop d'arc. Ben moi, c'est vraiment ce qui me frustre, c'est j'arrive plus à jouer Zarya. Et je la trouve vraiment très forte en ce moment. Moi, ce que je trouve fort, c'est Winston, mais ça me fait chier. Oui. Oh là, il y a une widow. Ah, ils ont vraiment une widow. Oh la vache. Je vous redis. C'est tout avec. Avec la méta, ouais. Oui. Ils ont une Zarya. Ils ont pas de monkey, on dirait. Non, ils ont Rin. Stay together, please. Il a essayé le plank, mais bon. Nous, on pousse, hein. Oui, c'est ce que je fais, moi je pousse, hein. S'ils font la même erreur, moi je continue. Hein. Allez, au-dessus. Ah, putain. Oh la vache! Faut que la Mercy elle reste en vie encore. Si la Mercy elle peut rester, ce serait incroyable. Ah non. Get on the payload fast! Ça me paraît compliqué cette histoire. Il manque dessus. Oh bébé. Ah le duel retard! J'arrive à rien! Le stress! Bon, ouais. On a fait un peu avancer, mais c'était pas ouf. C'était pas fou, hein. On n'arrivait pas, je pense qu'il aurait fallu qu'on essaye de prendre plus d'équipes. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ouais, il a raison. Je sais pas du tout, en vrai, parce qu'il s'est fait yep. Pique. That's true. Mais non, mais il a raison. Préparez vos défenses. Choisissez votre héros. Oh, sale! Nice one, Perception. You're pretty right. Ça sent le Smurf, Perception. Il a un bon goût de Smurf. Je sais pas. Ouais, Red, c'est, oh, le... Red, non, c'est non. Le Red, c'est le mec qui joue Sim. Bon, après. Hein. Maybe Symmetra is really greedy, man, because it's only 1 minute. I don't feel it. Qu'est-ce que je prends, moi? Je prends quoi? Faut vite qu'on choisisse, mec, il reste 20 secondes. Prends Divin. Merci. Je joue pour gagner. Oh bah. NP, merci. Hein. Merci. Ok, whatever. Après, si c'est une main Symmetra. Mais c'est con, s'il avait joué Symmetra sur la première défense, ça aurait été beaucoup plus. Malin. Et c'est toujours. Arrêtez le clip. Don't get picked, guys. Ma capacité ulti est en train de charger.
Putain, il est. Putain, il y a un bastion. Holy shit, c'est pas bastion. Ok, on va se casser. Voilà, c'était nul. On the point, please. C'était absolument pas prévu le bastion quand même. Oh, on a un TP. J'avais pas vu qu'on avait un TP. Jure. Ouais, par contre le mec qui travaille qui. Ah, je pensais qu'on allait gagner celle-là. Il est retard. Il est tilted as fuck, il a. Bon, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Ouais. En soi, Zardia a toujours été forte, surtout avant son nerf, mais vu qu'elle est difficile à jouer, peu de personnes la jouent, sauf. Mais lorsqu'on sait la jouer, c'est très puissant, ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi le jeu ? Non, c'est sur le chat, ça dit des trucs sur Zardia, comme quoi c'est fort. Ah bah oui, clairement. Ouais, je suis dans les cartes. Putain, on se fait. On se fait tellement défoncer la gueule. On a gagné la dernière, non, quand même. Oui. Non. Non. Ah. On est à 3 loses, là. Ah, ah, ah. Ah, je vais arrêter de fil, je vais arrêter de fil, je vais prendre Soldier, parce que... Encore que là, Perception était bon. Franchement, par contre, la merci, mec, elle était vraiment dingue. Je sais pas ce que t'en as pensé. Si ouais, merci, elle était pas mal. Hein. Elle nous a fait des raids en permanence, et dès qu'il y avait un ulti ennemi, elle est timée les ultis, mec, tellement bien. Se planquer à chaque ulti de Zarya. Ouais, bon, là, si ça passe pas sur celle-là, moi je pars sur de la... Oui. De la quick play. Hein. Je tryhard pas 4 défaites d'affilée, c'est... Dans l'idée, on va refaire les 10 défaites d'affilée qu'on a fait une fois, là. Pff, c'est tendu. Ouais, c'était Phil's Batman. Oh là là. Fais chier, j'avais bien entamé le master. J'aimerais bien quand même qu'on ait une rank sur Horizon, là. Ah, non, pas moi. Bah, histoire de voir ce que ça vaut, parce que pour l'instant... Attaque, alors. On fait les deux, c'est une rank. En attaque, alors, parce qu'en défense, ça a l'air juste d'être la pire map ever. C'est vrai ça, y a quoi comme jeu pour jouer en coop maintenant qui est sorti là? Y'a Night King Game qui dit que ça l'a lassé un petit peu Overwatch pour jouer, parce que jouer en coop c'est vite lassant. De quoi? Des jeux pour jouer en coop, y'en a quoi? Y'a quoi comme autre jeu qui est sorti récemment? Récemment, je sais pas. En vrai coop? Y'a pas de gros tripeur. Ça dépend ce que tu cherches en fait, parce que des jeux de stratégie en coop, y'en a plein, tu peux y jouer. Ouais, de la stratégie, ok, t'as les civs, des trucs intemporels quoi. Ouais, c'est ça, les civs, les Total War, les Age of, si t'es un peu nostalgique. Y'a Ghost Recon, là, ils disent. Ouais, jamais joué Ghost Recon. Mais en fait, les produits Ubisoft, les gars, je suis désolé, mais ça fait 3 ans que ça rend de la pisse, parce que... En fait, ils font des jeux qui devraient être du solo. Sauf qu'ils cherchent à les mettre en multi, et du coup ça fait un combo absolument affreux. Oui, parce qu'on est sur la mode du multi, de l'open world multi. Ouais, mec, attends, je suis désolé. Déjà, les Assassin's Creed, à partir de Unity, ils ont essayé de les foutre en multi. Au final, l'histoire, le gameplay, puis la beat. The Division, ça aurait pu être un truc excellentissime. Au final, tout le monde s'est lassé au bout de 3 mois, évidemment, parce que... pas d'histoire, rien, et t'étais juste en train de te battre dans les rues. Tu vois, avec d'autres gars, faire du vieux PVP bizarre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu quoi? Il y a même Wildland en fait. Genre, ils ont tellement essayé. À chaque fois, ils essaient tellement de pousser leur jeu sur le multi que. Ni un bon multi, ni un bon solo. Ouais. C'est vraiment trop triste, mec. Une petite boutade, c'est Ubisoft qui rentre dans un bar, mais il n'y a pas de serveur. Oui. Ouais, ils ont tellement tilt leur communauté Rainbow Six, mec. Mais c'était pas eux qui ont fait For Honor là aussi? Si.
Mais c'est pareil, mec, c'est... For Honor, il s'est fait boycott de l'infini, je crois. Mais c'est... Non, c'est même pas ça, c'est que, comme tous leurs jeux, il y a une énorme hype dessus. En fait, ils se rendent compte qu'ils ont codé avec les pieds et que le gameplay est pas si bien et qu'au final, tout le monde s'est trop hype. Et les gens achètent le jeu, au bout de 3 mois, ils se barrent du jeu, quoi. Ça fait 3 plombes que j'ai pas acheté de jeu, même pour les soldes bah, de moi, ça fait que 3 ans que j'ai pas acheté de jeu Ubisoft, parce que... Bah... Et alors que Steam, franchement, j'aurais voulu m'acheter un truc, mais plus de thunes. Ils ont fait des... On voyait la YouTube Money. Ils ont fait des super jeux, mec. Les Far Cry, c'était vraiment stylé. Les Assassin's Creed avant le Unity étaient vraiment bien. Un KOTH. On est revenu avec Perception. Avec Perception, pardon. Ah. Ah. Bon, j'avais dit que je baisserais pas mon proc, mais vu qu'il y a 3 DPS déjà. Ah. Et en face, je me rappelle pas du tout, je vais regarder un petit peu. On a un main Pharah, un main Zarya, un main Ana et un main. Bah, le main DPS qui est Perception. En face, il y a une main Mercy, Reaper, oh. Ana, Lucio, Sombra et Tracer. Après Perception, je suis plutôt chaud pour lui laisser un poste de DPS qui. J'ai déjà tout vu, tout fait. Il y a qu'en restant groupé qu'on remplira notre mission. Eh, hey, il a quoi? Ouais, c'est le main Zarya s'il veut bien. Je suis avec toi. Là, j'ai un PC pourri que je peux pas jouer avec mes amis à tous les jeux. Ah bah oui, c'est sûr. Soon. Fait, janvier prochain, je change de PC. Je mets 2500 balles. Bam. Toutes mes économies. What the fuck, pourquoi tu mettrais autant de thunes, mec? En vrai, ça va être un PC qui va faire boulot, plus tout. Enfin, c'est. Je sais bien, mais tu sais que déjà avec. La bête de guerre que je me suis acheté, j'ai bien choisi mes pièces, c'est un cas. Mais tu fais pas de comment ça s'appelle d'émulation de machines virtuelles, ah, trucs comme ça. Machine virtuelle, il y a moyen que ce soit là. Je suis pas dedans là, il faut que je me reconcentre. Il y a une sombre. Plus ça vient os. Mais il me prend la tête. Go on the payload. Ok, me gave. Dans son tête, non, t'accroches pas de moi, mais qu'on est plus. Je sais bien, mais t'as collé à toi. J'étais vraiment collé à toi, de base. Mais je t'ai vu arriver, quoi. Je demande l'arbitrage vidéo. Je l'ai vu. Moi, j'ai vu la click-in de Tracer. J'étais déjà collé à toi. Enfin, c'était trop tard, tu vois. J'ai essayé, mais avec mon gros boule. Les sales duels de Tracer, ils arrivent pas à ça, va. La Tracer ennemie, elle me casse grave les couilles. Bah, prends notre perso en même temps. Prends genre Diva. Mec, tu sais. Oui, je suis. Depuis que Rodog. Tu recules. Moi, je suis plutôt Diva. Oh là là, je me fais. Oh là là, mais pourquoi il y a 4 mecs sur moi là? Tu vas te faire poncer la gueule. Ouais. T'as pas du tout le bon pic pour contrer cette team. Swap. Je veux pas comprendre en fait, parce que le son ça pue la bite. Bah Diva, c'est bien en ce moment. Je suis pas super à mon aide sur ce perso. Prends Winston. Non, c'est plus contre leur team. Non, ça passe. C'est de la merde. Il est counter par 5 des 6 persos. Putain, mais. En plus, il a une M-bot ou quoi? Pas le M-bot. Swap, mec, je pense que tu. Non, je parle de. Voilà, la mission. Non, change. Ouais. J'ai mon ult. Autant faire un dernier push avec l'ult, je swap instant. Ok, pourrir. Ah putain, elle m'a collé la bombe! Ah, il faut quelque chose pour gérer cette Tracer. Y'a rien, enfin à part Macri, mais il joue juste. C'est sérieux! Allez, ta gueule! Let's go! With my ult! Ouais! Putain! Go! Ah, le hack! Oh, holy shit! Y'a personne là? Ok, d'accord, la Pharah s'est barrée. Non! Ult, please! C'est impossible, on pouvait pas. Just follow me, Mercy, easy win. I've been chasing by Tracer all the game, so. Yes, fly on me!
No problem. Mon connard qui migre vraiment dans une merde. Je sais pas. J'ai rien pu faire, mais rien du tout. Yep, that's pretty true. Même pas qu'elle aille sur le perception ici. And you, what are you doing, Tracer? Are you saving your picks for the next round? Ah, sale. Lol. Bon. Yeah, stop claiming and blaming and play together, guys. Please, for once. Asking for a swap is not claiming. But no, okay. I'm talking to perception. C'est le mec, sauf flaming, et le mec il commence par s'énerver. Ah, il dire que c'est changé, c'est du flame. Ok, I switch. Ouais, il se fait pourrir, gars. Oh là là, oh là là, oh là là. Vas-y, recule. Oh putain, la tresseur, impossible. La tresseur, c'est une piste. Oui, what the fuck? We need a mag crew for this tracer, guys. Stop les mercy, man. Go DPS sur le tank. Stop les mercy. Vas-y, prends Diva, on swap. Tu swap? T'es où? Bah, j'arrive, regarde. Je vais prendre Macri et je vais lui faire le cul. Allez. Si j'y arrive, ce sera assez incroyable. Je joue pour gagner. Je vais faire grimper mes attaques. Fouet la gueule. C'est vraiment insupportable. Hein. Ouais, j'ai avalé la bombe. Putain, mais ça dure combien de temps le piratage hein? 6 secondes, je crois. On n'arrive à rien. 6 6 C'est bon, c'est bon. Ah la merde. Ah, rien du tout. Nice. Il y a une sombra qui traîne. Oh, oh t'es sérieux, j'ai mis une tête, elle est pas morte quoi. Ok. Tous les systèmes sont opérationnels. Et c'est toujours. Bien nous celui-là. Putain. Je suis en train de me faire poncer la gueule. Oh là là. Quoi? Mais j'étais derrière le mur. On va passer le mur du sang. Quoi? T'as pris quelque chose? Ok, ça passe. Après un pic. Nice. Après un deuxième pic. Il me faut des soins. La personne qui. Ah, putain, je sais pas ce qu'ils vont aller là-bas, ouais. Macri sur la gauche. Putain, déjà. Oh oh. Je peux rien faire. Bon, je vais tuer le Lucio. Côté, sort le point. Oh nice. Je suis fait brûler par Lazaria. Ah, j'ai eu Lazaria! The fuck? Oxygen? Ouais, ouais. Il reste la sombra sur le point. Elle a pas de recall. Sleeping. Solo, c'est sleeping. Quand même. Nice. Good job. Nice sleep. Ok, c'est good faisable. Job. Nice one, guys. It was better with the swap. Good job. Putain, j'ai rien du tout dans ma chambre. Faut que je monte. Enfin, je vais mettre ma lumière. Attends. Ouais, 2500 c'est beaucoup pour un PC, mais dedans il faut que je mette des trucs pour faire du montage vidéo, de l'émulation de machines virtuelles. Ça nécessite beaucoup de puissance et puis je veux le faire durer aussi. Ouais. En ce moment je suis dans mon dilemme ultime. Étant, j'ai besoin d'allumer la lumière pour voir,
Mais du coup, ça va attirer tous les putains de moustiques. Du coup, si je ferme mon Velux, je vais avoir chaud. Eh ben moi, j'ai mieux. J'ai une prise anti-moustique. Putain, quel génie. Quel homme organisé. En vrai, triple DPS avec Diva, ça passe, hein. Ouais, ça passe. Juste perception, il fait pas grand-chose, hein. Et franchement, sur cette game, il a bien joué. Mais sur la première, il a plus la bite. Fais sur le côté. Tu slip. On a un singe sur la droite. Le Macri qui est super long sur... Oh là là. Et la diva. En vrai, c'est putain, elle a fait le tour, ce putain de diva. Je le vois jamais, ce putain de diva. Et mon outil est sous... Ok. Ouais, oh là là. Oh là là. Son bras ripping back lane. J'ai un ami qui était au même niveau que moi, une semaine après il avait 70 niveaux de plus que moi. Je comprends pas comment il fait pour rester sur over sans se lasser parce qu'il fait que des compètes non-stop. Ah non, moi non plus je comprends pas, généralement je fais 4-5 games par jour maximum. Il a son bras derrière. Je sais, j'ai mis une balle. Je sais plus rien. Il me faut des soins. J'ai mon ult. Attends parce que... Ah oh, putain, je suis pas là. Où je puisse rester en vie. I'm hacked. Non, les super loups là. Analo. Macri on the right of the point. Oh non. Arrête, un bon gros test un peu. On va monter jusqu'à 40% je pense. Ouais, c'est tendu. Ouais, j'ai vu. Je suis boîte ouverte. Je hais les singes. Je l'ai déjà dit. Je crois. Ouais, s'il la bum dans le trou. On continue, on continue. On a plus sûr, il peut plus. Sûr. Oh nice. Ils arrêtent pas de se faire chier, à discuter, à jouer. Il y a eu son bras, Macri. Accroché. Faut que je me facile. Il est okay. Ouvert. Je suis hack. I'm hacked. On est full hack. Ah mais mec, j'étais hack et j'ai pas pu le stun. Ah, il était là lui. It's okay, don't waste ults. We will come back. Nice pick, let's go. Group up. Franchement on est bien, on a 3 ults, ils ont plus rien. Say yours everything. Lucio, can you boost us, Lucio, please? Lucio! Il est parti. Behind you. Oh la vache, mais le mec il joue dans quoi? Il y a une sombra derrière du coup. Ok, soldier, how much for Visor? He's 90%. Ok, I have nano. Je suis hack. You are right, help me. Ok, on regroupe. Toujours plus. Je les stun là. Go back. Moi je vais essayer d'ult moi. Parce que je suis pas mal en vrai là. Moi aussi j'ai mon ult. Ok. Cover moi. Can we change Tracer to Reaper or Roadhog so we can rape Winston? Ah putain, t'es sérieux, je l'ai raté pendant mon roulade. Je suis trop nul. Faudrait qu'on se mette ensemble, toi et moi. Ouais, quoi. Ouais. J'ai mon ult. Wait us, Lucio, wait us. Mon ulti est prêt. Okay, let's go, thanks. J'arrive. Mon ulti est prêt, allons-y. Il faudrait qu'il arrête de crever tout seul là. Pareil. Ah, good job, guys. Stop staggering, guys. Kill the fucking Macri, please. Just focus Macri, easy win, man. You are arrête alone, de dire easy win. Augmentation des boucliers avant.
il va bien. Qu'est-ce qu'elle fout là? J'ai mon ult, il faudrait que je le calme. Hein. Allez, on y va. Ouah, j'ai tué personne. Don't die, don't die, don't die, don't die. Que la team flip. Quoi, je suis... Very good job, guys, very good job. Keep going. Oh, tu l'as pas dit bloc. Tracer, tracer, tracer on me. Oh, come on. Putain, job. Il faut un peu d'aide. Vas-y, y va. T'as pas tous les tués là. Y'a sur le point là encore. On the point, on the point. Mec, sur le point. Guys, nice one. Baby. Lol. Bon. La partie commence. Ça se trouve, win. On entendrait presque siffler. Ah. C'est pas mal qu'on a pris la quête là. Ouais. En vrai, c'est bien, on s'est bien mis. On était à 1-0, on est à 2-1. La remontada. On est dans le momentum en plus. Faut pas qu'on se fatigue, mais je pense qu'on peut le faire. Oui, on a le momentum. Petite dynamique de groupe qui marche bien. Je me sens bien plus à l'aise avec les DPS qu'avec les tanks quand même. Alors depuis le nerf de Rodok, j'ai vraiment du mal à trouver un tank qui me va bien. Singe. Ah, ça rase. Oh, oh le Zenyatta. Oh le Zenyatta. Il y a une... Y a... Ouais. Il est souillé. The point. Reaper, Reaper, left side. Il est où? Ah oh, putain, je me suis fait ouvrir. Ouais, ça va être tendu là cette histoire. Y'a plus de tracer en face, y'a un Reaper. Ah oh, putain, il a des moves le Zen. J'arrive, je lui mets deux balles et après il me fait des. Diva, reviens au combat. Un petit peu comment ça s'appelle. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il se raf. Ouais, ça. Là, je suis dégueu là. Pas bon ça. Ah putain merde, j'ai réveillé. Mais si ils sont à un combo triple DPS. Hein. Ouais, mais ils ont nourri ça. Et avec Zenyatta, Zenyatta il fait tellement mal au cul. Ah putain. Il arrête pas de se faire poke. Oh là là. Putain, elle se fait heal. Bouillon plus que moi. Allez. Je suis ouvert. Oh là là. Ok, stop, group up. We need to go together and heal together. Group up. Capacité. Et on recommence. I'm tracer, need to swap. Like, ta pick is really bad. Arrête, s'il vous plaît. Je suis tenté. Je n'ai même plus à parler. Putain. Go back, wait for my nano, wait. I'm still far. Sombra behind, she hacked me. Ah nice. Oui, good job. Je bourrine. Nice. Allez, j'ai deux piques. On décale la Orisa. Good job, guys. On lâche plus. On a, we got nothing left, so be careful. Reaper might have healed. Ah putain, j'ai tag. Faut faire vraiment gaffe. La Sombra elle joue bien. Putain, j'arrête pas de les réveiller. I'm gonna die, I fell down. Holy shit. Oh my god.
Alors, d'accord, les mecs se sont suicides. Non. Ah là là. Sans la merde, cette histoire. Ah putain, la clé, ça bombe sur le shield doré, ça. Enfin, ça, c'était triste. Je suis pas une bonne perdante. Un combo tortue serait bien avec un Lucio Rain. Ouais, je sais pas. En vrai, moi j'arrive pas du tout à jouer les KOTH. Tranquille. On va dessus ? Vas-y, vas-y, bah, pas le choix. Hein. Allez, moi je tempo, mais voilà. Je me suis fait arracher la gueule. Il va ult. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai été... Ah la vache, mais je suis super loin de d'où une tuerie. Ok, avec un seul assemblant. Can you swap, please ? Yep, I'm going to swap on a raw dog. Maybe. Je sais pas si. Moi je pourrais jouer Reaper. Ouais, on joue Reaper peut-être. Ah, j'avoue. Je vais leur montrer ce que je vaux. Ici le fourcheur. On n'a pas besoin Reaper, de scan. C'est... Remarque, non. Reaper c'est de la merde dans cette map en fait. En de Reaper tracer for throw. Thank you. Oh putain. Ça, ça pourrait le faire. Non, ça me. Why May? Je sais pas. Non. Super, t'es sûr? Reaper is good. Bon, je tente le road, mais je sais pas. C'est la manche finale là, donc on déconne pas. Oui, non, mais je veux dire. Elle a son bras sur la droite. Son bras sur la droite. Around the right. Oh là là. Mais t'as poussé, mec. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Par contre, faut que tu. Il y a le Macri sur la gauche. Moi, je me fais une disque là. Putain. Reaper. Va pas, ça va pas. Sur la gauche. Bah, change, change. Qu'est-ce que j'ai fait? Why are you and oh, mec, tu sors dans le trou. Putain, je suis content. Non! Eh, t'as mis une tête? Oui, au moment où je rentrais. Oh putain, il fait un massacre! Yeah, come on, go! Go, go, Habe! Oh, je suis pas une bonne perdante! Oh, je me suis mis sur le point! J'ai réussi à tempo! Il reste qui? Putain, déjà! Ah putain! No, fuck, my bad, my bad, my bad! No problem! Ah, si, problème, mais bon! Ah, ça va, le mec qui veut pas le blesser. Oui. C'est cancer. Son bras là? Lucio, try to go Mercy or Farage to swap. Stop die, please. Hide all, ok? Oh my god! C'est fait pique, mais de merde. Capacité ultime, right? Stop play fraud, I'm too counter man. Non, elle l'a réveillé. Routine d'un coup. C'est toi, Lazaria. Moi, Lazaria. Alors, toi, voilà, là, Sombra. Top. Je reprends ma clé parce qu'il me casse, ça me casse les couilles. J'aurais pas dû les écouter. GG, man. The fucking sorcerer. Come on, and cast it. Bar switch. Come on. Oh là là. Laissez-moi enfiler mon arme. J'ai même pas tué. Ah, go switch. Go switch. Waouh. Go switch. Fuck. Ah non, désolé. Elle le tue pas. Elle le tue pas, mec. The fuck. Elle est. Ah, comment on perception? Louise can play, bah. Of course, you're far with a Lucio and Anna. It's hard to reach you, man. J'adore comment ton accent il change à mort. Ouais. Ok, I throw. Nah, nah, come on. Ah, non, 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 non. Never throw. Oh. Moi, je peux rien faire en fait. Hein.
Good job, guys. Creeper for peace. First row. J'ai 12 000 de dégâts bloqués, je suis avec. Very good. Very, very good. Ok, report for please. Come on, report. Yup. Après, t'as des sad games, mais bon, c'était un peu chiant. Hein. Ah, mais, le problème, c'est pas d'avoir une sale game, tout le monde peut avoir une sale game. Le problème, c'est de t'enfermer dans ta merde. Ouais, si, t'as vu, il m'a viré. Coucou. Bon, c'était pas bien. Ouais, bah moi je vais arrêter les, ouais. Les comptes là. Ah, moi j'arrête aussi. Bah, en vrai, genre. Il a pas bien joué. Alors que je pensais qu'il jouait bien. Et tout le long de la game, en fait. Ah, sale, 4 défaites là, je suis. Ouais, Fils Badman. Mmh. Ah, 4 doublons. 4 doublons. Ouais, donc, moi je te confirme que c'est pas encore passé le. Bon après il faut se dire aussi que j'ai pas eu le droit de toucher Soldier sur les cadres. Ouais. Bon, bah voilà, c'était sympa, on a pu jouer mais voilà. C'était... Oui. Lucio servait à rien parce que les dégâts sont trop rapides sur votre équipe, donc avec Arène vous aurez plus de tempo puis repartir. Ouais. Ah ouais. Mais dans tous les cas, les compos, il a raison, les compos elles allaient pas. Hein. Quoi qu'il a mais surtout, on n'arrivait pas à gérer la Sombra. En fait, je sais pas gérer les Sombras, je les vois jamais en rank. Bah, en fait, c'est qu'elle jouait, très très bien son perso. Genre, à un moment, tu l'as pas vu, mais elle t'a pirate. Elle m'a pirate, puis après. Elle a enlevé le danger de D.Va. Elle a balancé son jump au-dessus de notre équipe et elle a pop, elle a IEM instant. Ouais, du coup ça m'a délay encore plus. Oui. C'était sale. Bon. Ça va. Bon, après ça va, c'était cool de jouer mais. Toi t'es tombé combien? Bon, dans les tréfonds de l'enfer, mais après je vais tryhard en faisant mon connard et en mettant en full soldier et. Je baisserai pas mon froc, et voilà. Ouais. Ouais, bon, allez, moi je saute de jeu. Pour dessaler un petit peu, je vais aller chercher le Dovaprout. Le Dovaprout. Ah, mais c'est énorme. Ouais, je te dis. Le Dovakin avec un mode qui fait que quand tu, au lieu de faire un Fusroda, ça lance un Prout. c'est un truc, ça me pèterait tellement les couilles au bout de 4-5 fois. Je rigolerai comme un mongol les deux premières fois, après je serai là dans mon full sérieux. Non mais c'est un pote en fait, faudrait que tu regardes les lives, il a modé mon jeu, à mon insu, il a rajouté des trucs à la con, partout. Quel génie. Genre les Vazars, tu vois ce que c'est les crabes là? Ouais ouais. Et ben il leur a mis un mode qui fait qu'ils ont un monocle et un haut de forme et ils te parlent en anglais quand tu les tues. What? C'est énorme. C'est énorme. Tellement modé. Ouais. Bon allez, on se voit peut-être demain, du coup je sais pas si tu révises toi. Ah oh bah oui. Y'en a qui bossent encore. Petit parcelle qui arrive. Ouais. Mais moi aussi je bosse là, aujourd'hui j'ai fait en sorte que le robot il lâche l'objet. T'es pas encore passé le voir d'ailleurs. J'ai pas entendu la fin de ta phrase. T'es pas encore passé le voir. Passer de quoi? C'est voir le robot sur lequel on taffe là. Non. J'ai dit que je venais j'allais venir voir. C'est okay. Vraiment sympa. Il m'a raconté, c'est vraiment sympa votre petit bot. Ah, c'est sympa. Bon, et bah sur. Allez, à plus. Plus. Disconnected. Donc, nous revoilà. Non, Icule n'a pas rajouté d'autres modes parce que je l'ai pas vu entre temps. Mais on va quand même s'amuser un petit peu. Il est où? Ça fait longtemps que j'ai pas retouché. Alors, oui. Qualité ultra élevée, oui, je sais. Putain, non, ça a changé la langue. Bon, tant pis. Alors, faut que j'arrive à mettre le jeu maintenant, sans tout faire cracher. C'est chiant, le mode fenêtré, il passe assez mal sur ce jeu. Je suis dans mon sel, là, actuellement. Alors, est-ce que ça passe ? Moi la main. J'essaie de le marabouter là. Rends-moi ma putain de.
crois qu'on en était, je sais plus où. Oui, voilà, Salt. En plus, j'ai le tag de Diva où elle met le sel, exactement le même icône. Alors, où on était avec le Dobaprout? J'espère que c'était cette game. D'ailleurs, paramètres, parce que ça c'est un truc qui refait à chaque fois. Sous-titres des dialogues et sous-titres généraux. Merci. Où est-ce que j'en étais? Au niveau des quests, je regardais. Ah oui, c'était la quête des voleurs, mais j'avais un peu la flemme. J'aurais dû regarder ce que j'avais fait la dernière fois. Celle d'endron. Celle d'endron. Et oui! Et oui, et d'ailleurs, je connaissais même pas l'expression salty quand j'ai choisi mon pseudo, parce que j'ai choisi il y a un bout de temps. Et ça colle parfaitement. Donc, je voulais faire quoi? J'en étais où? Je ne sais plus, je ne sais point. Et je vais changer le truc Twitch aussi. J'ai oublié de changer le truc Twitch. Skyrim. Effectué. Voilà. Ça évitera les emmerdes. Reste du monde sur ce stream? Oui, y'a plus personne. Ouais, il y a encore les deux vieux de la vieille, Anakin Gab et Kerrigan. Rends-moi la main. Ok, donc on était à Fall Creek parce que je voulais faire les quêtes de Fall Creek, si je me souviens bien. Parce que c'est des zones que j'ai jamais. Sur lesquelles j'y joue très peu. Hop, je vais accélérer un petit peu ma souris. Tessez-vous au Grisbarbe. Portez la gemme à Vex. Ouais. Pourquoi j'avais mis ça? Ah oui, c'est vrai qu'il fallait faire un truc pour le. Il fallait faire tuer le chef pour aller faire en sorte que le Jarl il m'écoute plutôt qu'il fasse le gros connard à ne pas m'écouter. Attendez, tu me connais? Non, tu me connais pas. Donc il faut que j'aille ici. Je vous connais. Non, tu me connais pas. Non, c'est quoi déjà? Ah, c'est Alt pour courir. Trop de jeux avec ça. En ce moment, j'essaie de me finir à Far Cry 3. Parce qu'en fait, j'avais presque fini, puis après, je l'avais lâché. Je l'avais lâché. Ah oui, il faut que je finisse Zelda aussi. Parce que... chose incroyable. J'ai ce petit engin qu'on appelle une Switch. Voilà. J'ai la quête d'une divinité dans Fall Creek. Ouais, je l'ai faite celle-là, je crois. Donc, ouais, j'ai fait le Zelda. En tout cas, j'ai pas mal poncé. Je crois que j'ai lâché 100, 150 heures, un truc comme ça. Là, il me manque quelques sanctuaires et je dois être à presque 400 Korogu. Sans Solus. S'il vous plaît. Sans Solus. Ce qui est quand même assez impressionnant. Parce que vu comment c'est chiant. Ça m'a même manqué. Ça m'avait manqué. Ouais, donc le Zelda il est vraiment cool. Par contre en termes de rejouabilité. Comment dire? Une fois que t'as fait vraiment le tour du jeu, mais le tour à fond. C'est chiant. Ça devient chiant en fait. Ça devient carrément chiant. Il manque vraiment de la rejouabilité. Il est très bon comme jeu. En termes d'open world, c'est une putain de perle. Mais, il a un gros problème au niveau de sa rejouabilité. C'est, bon, au final, tu l'as fait une fois, ben voilà. Tu l'as fait une fois et tu le refrappes la plus. Il y a des trucs un peu artificiels comme... comme la rejouabilité, les Korogu là. Les 900 putains de Korogu à trouver sur toute la carte. C'est sympa, parce qu'au final, les 900, t'avais pas besoin de les avoir. Hein. Au bout d'un moment, je crois... Donc à partir de 400 ou 500, tu commences à plus en avoir besoin. En tout cas, ça te donne plus rien. Y'a pas quelque chose là-haut? Mais c'est quand même un petit peu artificiel sur la durée de vie. Plus de quelque chose là-haut. J'ai... à cause d'ailleurs de ce Zelda, j'essaye de faire ça sur les arbres pour récolter les armes, mais non, ça marche pas. Pour Far Cry 4, il y a un moyen de le terminer en 15 minutes sans tricher. Oui, je sais, il faut dire un truc au type au tout début. Mais j'ai pas Far Cry 4, j'aimerais bien y jouer d'ailleurs. Donc je regarde un petit peu s'il est pas trop cher pendant les soldes. Steam. Ah mais non, j'ai plus de thunes. Oh merde.
J'ai plus un copec du tout. Parce que fin d'année oblige, il y a tout à payer. Il y a eu mon anniversaire il y a une semaine, là. C'était mercredi dernier, je crois. Donc je suis sorti au bar, payer ma girafe de bière. Mais voilà, au bout d'un moment, t'as plus de thunes. En plus, faut que je rentre chez moi. À me coûter la blinde. Faut que je fasse le plein d'essence. Dilemme d'étudiant. Faut surtout rester à table quand il te dit d'attendre. Je sais pas, j'ai pas joué. Mais je l'avais lu quand le jeu était sorti. Il y avait écrit Speedrun, le Far Cry 4 fini en 15 minutes. Et j'étais, wow, comment il a fait? Ah bah en fait, non, c'est legit. C'est hyper legit. Du fer. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est parce que j'étais. J'étais crouch. Alors, il faut que je me remette dans l'open world. Qu'est-ce... Ah, mais c'est Lydia. Faut que je me remette. Merde. Dans l'open world de Skyrim. Ça joue pas du tout pareil que Zelda ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça c'est la grosse lose à l'E3. Ils ont annoncé qu'ils étaient pas encore en train de développer The Elder Scrolls 6. Ah! Je suis caché. Je le fais un peu en mode YOLO là, franchement. Merde, non. J'ai plus du tout joué. Là, j'ai envie d'appuyer sur W parce que c'est le truc qui permet de voir un peu plus loin. C'est l'appareil photo qui permet de voir loin dans Far Cry 3. C'est une vraie bouse. Je suis pas là. Vous ne m'attraperez pas. Vous n'avez aucune chance. Détecté. Détecté par quoi? Tu vas voir si je suis détecté, connasse. Le bon système de combat de The Elder Scrolls qui pue la merde. Elle est où? I'm alive. Ah, merci pour le follow, Jean Bezerino. Donc pas avant 2021, TES? Ouais, sans doute. Sans doute, sans doute. Après, peut-être qu'ils veulent dire ça pour éviter de mettre la hype, mais en même temps, ça fait tellement longtemps. Ça fait quand même... il est sorti en 2011, le 11-11-11. Ça fait super longtemps, et en plus, ils arrêtent pas de tirer sur la corde, mais c'est un truc de fou, je sais pas si vous avez vu, ils vont le sortir sur Switch. Alors toi, j'ai envie de dire... Et non, j'ai pas essayé TES Legends, c'est le jeu de cartes de TES, ça. Mais j'aimerais bien, je pense que je vais peut-être, si j'ai un peu de temps à perdre cet été, je me mettrais bien à The Elder Scrolls Online. J'avais essayé la bêta ouverte, non la bêta fermée, j'avais eu accès à la bêta fermée, j'avais pas trouvé ça foufou. Mais bon, voilà, peut-être que maintenant c'est bien. Ok. Il faut que j'entre là-dedans. Je suis une vraie bouse. Il y avait plein de gens, j'aurais dû rester en foufou. Il est génial TES Legend. Après moi je veux dire, je suis pas hyper jeu de cartes. J'avais essayé Hearthstone pas mal pendant un moment. Mais déjà, je suis une grosse bite en termes de jeu de cartes. Deux, quand il y a de la chance, quand il y a de la chance, ma chance légendaire, évidemment, pas cool. Voilà, et... Encore des vendus, j'aurais vraiment dû faire un peu plus le fufu. J'ai roulé dessus en mode. Ouais, le jeu de cartes, c'est pas hyper mon truc. J'aime bien jouer au poker. Mais autour d'une vraie table, quoi. Moi, j'essaye en ce moment WoW Vanilla sur serveur privé. Ah, sans doute, oui, parce que WoW Vanilla, ils ont pas encore fait de serveur.
La bonne flèche dans la tête, il fait quoi? Pousse-toi, Lydia! Ouh, c'est passé à côté, sniper mode! Un rouleau de papier, on s'en fout, une pioche, on s'en fout, il doit y avoir des trucs quand même. J'ai jamais joué à Vovania, sauf sur serveur privé. J'ai commencé WoW, c'était sur Burning Crusade. Et j'y ai passé du temps. Mais comme je jouais en mode gros noob pendant très longtemps, ben j'ai jamais fait de raid ultra épique, tout ça. J'en ai fait un petit peu, mais c'était que à partir de fin Wotolkay, début Cataclysme. Ça m'avait manqué. On est quand même passé d'un jeu avec abonnement à un free-to-play pour The Elder Scrolls Online Tabriel Unlimited. Oui, mais c'est comme pour tous les MMO, à part WoW, en termes WoW et... comment ça s'appelle? Merde! Final Fantasy XIV, voilà. À part WoW et Final Fantasy XIV et au Japon... Dragon Quest X, il n'y a rien comme MMO qui fonctionne à abonnement. Ouais, c'est free to play Tezo. J'ai essayé Wildstar aussi, le MMO qui disait, comme d'habitude, le MMO où ils disaient que ça allait remplacer World of Warcraft. Fait, du coup, là, pour le coup, c'était fait par des anciens qui avaient quitté Blizzard. Donc, il y a pas mal de gens qui s'étaient dit, ça allait pas bien, tout ça. Mais, je sais pas, j'ai trouvé l'interface trop confuse, le jeu trop rapide. C'est des jeux d'action où il faut être très réactif et la position. Et quand c'est pas un FPS, moi, j'arrive pas. J'arrive pas du tout parce que il y a des zones dans tous les sens, il faut que j'arrive à gérer le perso. Ça va trop vite, je suis. C'est aussi pour ça que je fais pas du très haut level sur. Enfin, que j'ai pas fait de très haut level sur. Comment ça s'appelle Warcraft. D'ailleurs, c'est bien la mode de faire des jeux de cartes dérivés des licences. On a Hearthstone, The Elder Scrolls Legend, Gwen. Donc, le dérivé de The Witcher. Après, pour The Witcher, ils ont l'air d'y avoir vraiment mis toute leur âme, les types, donc bon. On peut dire que c'est à peu près legit. Mais je trouve que c'est un peu une sale manie de faire des jeux comme ça à côté. En termes de créativité, on a. C'est. Ils ont commencé. Crossmaga, c'est quoi Crossmaga? Je connais pas. En termes de créativité, c'est bizarre qu'elle a commencé avec Hearthstone, tout le monde a vu que ça marchait du tonnerre, du coup ils ont fait « Ouais, on va faire pareil les mecs !» Je trouve ça un peu... ouais... un peu nul. C'est jeu de cartes dérivé de Dofus. Jamais joué à Dofus. Désolé. Mais c'est pareil, du coup, un jeu de cartes dérivé d'un autre jeu, bon... Alors après, c'est un peu hypocrite de ma part, parce que je défends des trucs qui sont aussi des gros manques flagrants de créativité. Hein. Par exemple, je défends les films Marvel, corps et âme. C'est un plaisir de... Même si, enfin, des fois, c'est vrai qu'en termes de créativité, ça se pose là. L'argument de la créativité, bon, il est un peu recevable. Pas toujours, mais un peu recevable. Ça leur apprendra. Ils n'auraient pas dû arrêter de me payer. Petite salope. Tenez, vous méritez une récompense. Ah, la ligne en anglais. Vous savez quoi? Je vous aime bien. Vous n'avez pas peur de vous salir les mains. Je vous accorde par la présente l'autorisation d'acheter une propriété dans la châtellerie d'Épervine. Parlez à mon chambellan si cela vous intéresse. Ma cour peut encore accueillir un nouveau Tan. C'est surtout un titre honorifique, mais il procure quelques avantages qui pourraient s'avérer utiles à quelqu'un comme vous. Cependant, ce titre ne peut revenir qu'à un individu réputé dans ma châtellerie. Aidez mes citoyens, et je vous nommerai Tan. Ok. Mettez-vous en route, alors. Venez en aide aux gens d'Épervine. Vous me serez peut-être utile. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Un petit con, j'aimerais bien prendre sa place, devenir calife. Calife, pas canif. Calife à la place du calife. Y'a pas une forge qui traîne En termes de quête.
Garde de l'aube, trouver la rouge garde. Est-ce que ça n'indique pas quelque chose sur cette carte? Pas du tout. Ah si, non. Oh. Comment ça, je peux pas passer? Fall Creek est la seule ville sans forge. Ah bah. Vous parlez d'un chanceux? Mais du coup, ça indique quoi ces trucs? Un et trois ruches, ok. Ça, on va décocher. En tout cas, ça, on va décocher, on va mettre en divers. Donc, il faut que je trouve des gens à aider, mais il est peut-être un peu tard. Baraquement des fervines, il y a peut-être quelque chose. À moins que ce soit là où il y avait. Ah oui, je crois que c'était là où il y avait le. Attendez. Non, tu me connais pas! Je suis trop célèbre, je sais, mais. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Fayez. J'ai presque en. Mais non, en prison, je suis déjà allé, je suis con. Mais. J'avais pas fait cette quête? Si, j'ai fait la quête! Ah oui, non, mais ça a dû le transformer en complet, je sais plus quoi dire ça. Bon. Y'a rien ici. Il est peut-être un peu tard aussi. Quelle heure ici d'ailleurs? Oh, il est presque 23h. Comme le temps passe vite quand on s'amuse. Tiens d'ailleurs, je suis en train de faire un let's play, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que c'est un display sur un genre de jeu. Oui, c'est à la fois. Et un mec a pété un câble et a créé un mod qui met une forge à Fall Creek avec le titre en majuscule. Il est trop fort. J'aime beaucoup. J'ai vu un chien sur la route. Une belle bête puissante qui rôde près de la ville. J'ai demandé au garde de la porte de le chercher. Je ne peux pas me permettre de lui courir après. Et pourtant, un animal loyal et féroce me ferait une bonne compagnie. Si vous acceptiez de me le rapporter, je vous donnerais de la viande fraîche pour l'attirer sur la route. Hein, c'est un signe d'intelligence de demander un paiement d'avance. Prenez cet acompte. Vous aurez le reste quand vous ramènerez mon chien. Voilà la viande. Ok. Trouver le chien à l'extérieur des palais. Donc je disais, je suis en train de faire un let's play sur un genre de jeu que je fais pas du tout d'habitude. Et surtout sur un jeu qui est vraiment vieux pour le coup. Il est sorti avant ma naissance, pour vous dire. C'est cette quête dont tu parlais, d'accord. Il faut que je pose un. Bordel, c'est où? Ah, c'est dans nourriture. Merde! Y'a pas une quick save à un moment, maison de l'OD. Si c'est celle-là. Le type qui vient de bouffer la quête. C'est quel jeu? Est-ce que je le spoil ou pas? Parce que quand j'ai regardé quand est-ce que ça sortira en octobre. Ouais, début octobre. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'en. Que j'utilise ce jeu parce que je suis un peu dans la merde. Un peu en retard. Je cherchais justement quelqu'un comme toi. Le chien il parle. Ok. Bande de ciel est infestée de gigantesques lézards volants et d'hommes chats à deux pattes. Et c'est moi qui te surprends. Il a un. Ouais, il y a The Point. Pas terminé. Je m'appelle Barbas. Et tu pourrais sûrement m'aider à régler un problème. Mon maître et moi, nous sommes disputés. Le ton est monté et la situation a dégénéré. Je suis banni jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour nous départager. C'est là que tu entres en scène. Merci. Depuis qu'il m'a banni, le vil est très affaibli.
Il lui est donc impossible de s'éloigner de l'un de ses temples. Je sais qu'on le vénère à la honte des mares. Nous devrions pouvoir l'y trouver. Si le plan fonctionne, tu seras récompensé. Tu ne dois cependant accepter aucune de ses offres, c'est compris? Et what the fuck? T'as tout vu, toi? Toi aussi, tu te dis que what the fuck aussi? Ouais, on se dit pareil. Donc je disais, c'est quel jeu? Bah, je vais peut-être le dire. Il s'agit de The Legend of Zelda Link's Awakening. Un de mes Zelda préférés. Voilà. J'avais envie de le faire, ça faisait très longtemps. Ah d'accord, il faut que j'aille avec lui. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de les faire, et voilà. C'est chose faite, ça me fait une petite série. En plus, c'est sympa, ça, j'ai jamais fait de jeu sur émulation. Voilà. Et c'est aussi parce que je commence à manquer un petit peu d'idées au niveau de mon roster. C'est aussi pour ça que je veux changer de PC. Parce que je peux pas faire tourner des jeux comme je voudrais. Je peux pas acheter des AAA et les faire tourner pour faire des gros trucs dessus. Voilà, je commence à être un petit peu à court. Deux puissances. Et aussi un deuxième PC, ça me permettrait de faire tourner celui-ci en rendu et l'autre pour la capture. Comme ça, je pourrais faire deux vidéos en même temps. C'était un jeunesse, non. Non, c'était un jeu Game Boy, puis après Game Boy Color. Désolé pour le spam, mais trop de hype. Et là, déjà, vous aurez quelques épisodes de Stellaris. Pendant quelques jours, puis après je me suis rendu compte que c'était vraiment trop chiant à regarder en let's play. Du coup j'ai passé sur du Age of Mythology. Là le let's play il va de l'infini. Et donc là j'ai choisi du coup Ah mon dieu ce piège surpuissant. Et là j'ai choisi du coup The Legend of Zelda. Et une fois que j'aurai fini ça, donc quand je vais rentrer chez moi, parce que là j'en profite d'avoir la fille pour finir le What the fuck. Il y a des gens bizarres ici. Il y a des gens bizarres. Je profite d'avoir la fille pour uploader le dernier let's play que je peux faire. Et après, une fois que je serai rentré chez moi, je vais m'attaquer à la dernière saison de... comment ça s'appelle? Merde. Mountain Blade Warband. Avant que Bannerlord ne sorte. Et aussi, quand j'aurai mon nouveau PC, je vais vous faire tourner de ces batailles sur Bannerlord. Oh. Bon, et toi, tu fous quoi, là, en fait, le loup-garou, j'ai envie de dire. On dirait un maître et son chien fidèle. C'est un peu long. Mais what the fuck? Pourquoi il est en loup-garou? Sinon, il y a The Legend of Zelda Minish Cap qui est sympa sur Game Boy Advance. C'est mon second Zelda préféré. Alors, en Zelda, j'en ai pas fait beaucoup. Mais si je devrais en mettre 3 en première position, je dirais celui-là, là, sur Switch. Breath of the Wild, parce qu'il casse vraiment avec les Zelda habituels. C'est vraiment une... pure merveille, une fois, malheureusement. Pour le coup, en termes de rejouabilité, lui, il se pose très mal. Et les deux autres, c'est Minish Cap et Link's Awakening. Après, ce que j'ai fait comme Zelda, j'ai fait les deux autres, les trois qui sont sur DS, les 3DS. Donc c'est à dire que j'ai fait Phantom Hourglass qui est, je trouve, beaucoup trop simple à 100%. J'ai fait Spirit Track à 100% aussi, qui est plus dur et donc du coup plus appréciable. Je suis à Elgen là ou quoi? Je suis à Elgen, ok. Là, c'est loin. Je suis en train de faire la 3 quarts de la map. Et j'ai fait... J'ai fait sur Wii le... Merde. Celui avec les loups. Ah, il ouvre carrément les portes, lui. Toujours plus. J'ai fait celui avec... Twilight Princess, voilà. J'ai fait Twilight Princess, j'ai commencé...
J'ai commencé aussi sur Wii le putain de merde. Celui d'après. Ah oui, j'ai fait Binding Wars aussi, mais pas à 100% celui-là. Je l'ai fini, mais j'ai pas fait à 100%. Merci à la Kingham. Et j'ai fait celui sur Wii, le Skyward Sword, voilà. J'ai fait Skyward Sword. Non, je l'ai pas fini en tout cas. J'ai pas fini non plus l'autre, ce que j'ai sur DS, qui est un remake. Ocarina of Time, voilà. Je suis bloqué au temple de l'eau. Voilà, comme tout le monde. Et ça m'a cassé les couilles, j'ai eu la flemme de reprendre. Et sinon, en fait, à part le Skyward Sword que j'ai pas fini et Between Worlds que j'ai pas fait à 100%, bon, et forcément lui, là, le machin avec ses 900 putains de Korogu, j'ai tout fait le reste à 100%. Du coup, j'étais plutôt content. Plus de lapin. Et j'aurais pourtant cru qu'il était aussi sur NES pourtant. Et non. C'était le tout premier Zelda sur portable et ça a été aussi un des fers de lance avec Tetris de la Game Boy. D'ailleurs, j'ai noté énormément de différences, vous le verrez dans le let's play, j'ai noté pas mal de différences entre la version Game Boy et la version Game Boy Color. Notamment, pas mal de censure des trucs un peu olé olé pour l'époque. Genre, il y a une sirène dans la version Game Boy classique. Elle a perdu son... On la voit dans l'eau et elle dit qu'elle a perdu son maillot, son haut de maillot. Et donc du coup, quand on plonge à côté d'elle, elle fait « Hey !» et elle se barre. Sauf que là, dans la version color sur laquelle je joue, eh ben, elle a pas perdu son haut de maillot, non, elle a perdu son collier. Voilà. La petite censure qui est passée par là. Pareil, il y a quelques ajouts qu'il y a dans la version color que j'avais pas dans la version classique. En plus de la couleur, évidemment. D'ailleurs, regardez le jeu en couleur, c'était trop bizarre. Il y avait un donjon en plus. Et... Pas perturbé. Bon, est-ce qu'on n'arriverait pas un jour? Parce que c'est pas comme si on avait fait la moitié de bord de ciel à pied. Mais presque. Ah. Honte d'Aemar. C'était chiant à aboyer celui-là. Bon. Il y a des vampires. La bonne furtivité. Voilà. Après le loup-garou, c'est Twilight Princess, ouais. Twilight Princess, j'avais beaucoup aimé, même si je voyais rien, parce que j'avais une vieille télé cathodique toute dégueulasse, format 4 tiers, tout ce que vous voulez, c'était horrible. Horrible, je voyais rien, j'ai galéré à faire le jeu. Puis le jeu était dur. De manière générale, le jeu était vraiment dur. Là, d'ailleurs, c'est aussi un des gros soucis que j'ai eu avec le Breath of the Wild. Quoi ? Merci. C'est la difficulté. La difficulté, elle est très, très, très mal dosée, à mon goût. C'est soit tu te fais péter la gueule en boucle. Alors, il va falloir arrêter de se mettre devant moi. Alors, j'ai touché le chien, mais j'ai essayé de passer dessous le chien. Hop. C'est soit tu te fais péter la gueule en boucle. C'est soit tu te fais péter la gueule en boucle, je vais y arriver. Soit tu roules sur tout. Et je trouve ça très chiant. Au tout début du jeu, j'ai passé 6 heures sur le putain de tutoriel. C'est pas très compliqué pourtant, mais au début tu pues la merde et la fin du jeu, bah t'es gros build, c'est un peu le souci qu'il y a aussi dans ce jeu là, dans Skyrim, c'est à dire que tu peux être très facilement gros build,
Sauf que dans Skyrim, tu peux gérer la difficulté et la difficulté légendaire est juste insane. Là, dans Breath of the Wild, t'as qu'une seule difficulté pour l'instant. L'autre, elle est en DLC, elle arrivera à... Elle a dû être sortie d'ailleurs. C'était fin juin, je crois, la sortie. Bon, je vais rouler. D'accord. Surtout la quête des fantômes. Ouais, la quête des fantômes dans Twilight Princess, c'était pas facile. Mais Twilight Princess, c'est pas un Zelda qui me donne envie de le refaire. Il y a des Zelda qui me donnent envie de les refaire régulièrement, genre Minish Cap ou... Putain, je suis mal. Oula, il a fait du moonwalk. T'inquiète, tu m'as toujours pas vu. Oh, je l'ai touché. Putain, il a esquive. Pas que je touche le chien. On toujours pas vu, hein. Oh là. S'il pouvait arrêter de courir celui-là. Il doit y avoir des trucs intéressants ici. Ouais. Pas tout lire. La honte d'Aemar. Mmh. Jamais tu meurs. Des givres et pierres. Ah d'accord, c'est pas là. Ok. Pas grand chose. J'essaie de me replacer un peu sur ma chaise, retrouver une position confortable. Ok, ça se bastonne là-dedans. Tiens, prenez ça dans les dents. Le maître vampire. Un impérial qui s'est fait joliment sacrifier. Oh, un coffre. Je crois que en fait je suis arrivé. Ah d'accord, faut que je lui parle. Seigneur Clavicus, j'aurais quelque chose à vous demander. C'est le moins que je puisse faire, puisque vous m'avez déjà aidé à exaucer l'ultime volonté de mes derniers disciples. Ah. Ils étaient atteints de vampirisme et m'ont supplié de les guérir. Votre venue a mis un terme à leur calvaire. Moi-même, je n'aurais pas pu mieux planifier les choses. Alors, quel est votre désir secret ? Quel genre de marché allons-nous conclure? Oh. Ce chiot insupportable! Oubliez ça! Requête refusée! Hors de question! Je suis content d'en être débarrassé. Même si ça veut dire que je suis coincé à ce pitoyable hôtel, au milieu de... nulle part. Eh bien... peut-être existe-t-il un moyen pour qu'il retrouve sa place à mes côtés? Peut-être. Mais je ne promets rien. Il existe
une hache incroyablement puissante. Suffisamment redoutable pour que je m'amuse avec, oui. Si vous me l'apportez, vous aurez ma bénédiction. Sans condition ni mauvaise surprise. Du moins, pour vous. Si je me souviens bien, elle se trouve dans la tanière de Rimrock. Barbas peut vous y conduire. Ce chien pourrait même retrouver sa place à mes côtés. Ucho ! Putain de Klebs. Est-ce que je ferais pas pour toi ? La bonne quête qui amène sur une autre sous-quête qui amène sur une autre sous-quête. Qui amène sur une autre sous-quête. Alors le chien, c'est devenu un cheval. Le bon cheval de Skyrim. Bon alors, faut aller où? À l'autre bout de la galaxie. J'allais dire ça pour rire, mais en fait pas du tout. Ah putain, j'ai pas encore découvert le lieu. Donc déjà, je vais passer à Blanche Rive. Je vais aller fondre tout mon bordel, faire du... Faire de la... Merde... La forge. Je vais y arriver. Forger 2-3 trucs, et ensuite prendre le TP pour aller... Pour aller directement là-bas. Je sais plus où. Mais voilà, plus au nord. Ouais. Est-ce que je peux crafter des items maintenant? Est-ce que j'ai pas assez de... Pousse-toi, je vais l'utiliser, merci. J'ai qu'une bande de cuir, non j'en ai pas assez, clairement pas. Bonjour. Je ne prétends pas être la meilleure. Vous voulez vous protéger? Merde. Ou faire des dégâts? J'ai du croindon. Où sont les bandes de cuir? Merci. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin. Alors, faut que je crafte des trucs. Qu'est-ce qui est le plus rentable en termes de craft? Dites-moi. Avez-vous rencontré mon père? C'est le chambellan d'Iyar, la Fort Dragon. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus rentable en termes de... d'expérience gagnée. Pas du tout en fait. Auparavant je faisais des dagues de fer mais bon. Pas hyper worse. Là je peux en faire 27. Ça donne combien ça? Ouais, ça donne le pouillem du pouillem de tout ce que vous voulez. Une émeraude, un lago d'or. Ça, ça va donner pas mal, je pense. Ouais, ça donne bien. De toute façon, j'utilise jamais autant. J'utilise jamais mes rubis et tout, autant les utiliser maintenant. Mais c'est pas ça. Bon, je vais faire du. Voilà, une dague de fer. Merde! Je crois que j'ai un peu bourriné sur des trucs en plus. Tant pis. J'ai des articles. Alors, et casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. La dague d'acier, je m'en fous. Un espadon d'acier, je m'en fous. La hache d'acier. Hache de fer. Merde. Merde, c'était elle qui vendait. Je me plante toujours. Du coup, j'ai perdu ma stune. Je suis un crétin quand même. Je suis un bon crétin.
Voilà, on va dire que c'est bon. À la prochaine fois. Je me fais souvent avoir aussi entre achat et vente. Oui, bah. Bon exemple maintenant aussi, pareil pour moi. On va sortir de là. Mais non, je peux passer aux écuries. Les bonnes écuries. Alors, il faudrait que j'aille où ça? Solitude. Besoin d'un chariot? Où souhaitez-vous aller? Ça, c'est quand même pratique. Remontez et nous partirons. C'est votre première visite à Solitude? Cette belle ville est la capitale de Bordeaux-Ciel. Mais... mais tu as été coupé par un temps de chargement. Alors, on va aller chercher le TP, au moins celui-là. Hop. Et on va prendre la route. Je dois avoir quelques niveaux de rab aussi en plus, en termes de level. Ça m'a l'air d'être pas à côté quand même. Ouais, carrément pas. Bon bah on va marcher. C'est randonnée simulateur. Ah putain de dragon. Je veux pas de dragon, j'ai pas envie de faire l'aller-retour. En plus je sais même plus où j'ai foutu mes oeufs de dragon. Putain, il m'a fait peur, il était là. Ah. Et j'ai vendu la... désolé, j'arrive en retard, mais il s'est passé quoi? J'ai perdu 4 games sur Overwatch, ça m'a saoulé, du coup je suis allé sur Skyrim. Et là, actuellement, bah, je vais pas être joliment un dragon au corps à corps. Je pète sur les dragons. Alors, reviens là, mon cochon. Les superbes combats. Bon, je suis arrivé. C'était magnifique comme combat. Je suis tellement majestueux. Je sais pas où je les ai foutus, les os de dragon et tout, et comme je vais dans une maison, tant pis. De toute façon, je retrouverai bien des dragons plus tard. Oui. Comment je cours? Un magnifique combat plus tard. Ah, ça c'est vraiment un truc qu'il faudrait qu'ils remettent un peu plus en place dans le prochain Zelda Scroll, c'est le système de combat. Parce que ce que je le trouve mou. C'est random, on sait jamais trop si on va. En fait, c'est vraiment selon ta puissance et selon comment tu bourrines sur ton clic. Quoi. Et pas selon ton skills. Et ben, c'est par là-bas. On va marcher. Randonnée simulateur. Je suis curieux de savoir, est-ce qu'il existe vraiment un jeu randonnée simulateur? Si oui, c'est trop pimp. Randonnée simulator.
Par contre, je vois rien. J'en suis loin. Oui, j'en suis encore un peu loin. Oh, la maîtrise du loup! Hop. Qui est la prochaine série sur YouTube? C'est 4 épisodes de Stellaris, je crois. 4 ou 5. Et après, c'est du Edge of Mythology. Voilà. Il y a pourtant des modes qui augmentent la difficulté lors des combats, à mon souvenir. C'est pas la difficulté qu'il faut changer, c'est la façon dont on joue le combat. What? Casse-toi, tu pues! Et arrête de manger le cul. C'est des combats, c'est un peu retard. Tu tapes, c'est le premier qui tape, il a gagné quoi. Enfin, en termes d'esquive, tout ça, tu sens que c'est un peu mou du genou quand même. Grotte de l'écho perdu. De l'écho perdu, pas pardon. C'est juste comment ce que change certains modes. Bah ouais, peut-être qu'il faudrait que je regarde ça. Parce que là, c'est un peu à qui est le plus gros bill avant l'autre, quoi. C'est un peu triste. Alors toi, t'as trouvé la mauvaise personne à grignoter. Il est arrivé, je lui ai dit non. On arrive, c'est pas trop tôt. Moustique sur ma main. La question c'est en haut ou c'est en bas? Parce que... Le suicide n'est pas autorisé. Bon, vous allez me dire on est dans Skyrim, mais en termes de saut sur les montagnes c'est plutôt tranquille. Alors, qu'est-ce que vous faites comme rituel satanico Un effrite. Ah non, c'est un atronac. Il nous a mis en feu. Ouah, j'avais oublié qu'ils explosaient. Qu'est-ce que ça fait? Il m'a un peu mis mal. Je vais pas tenter le... Pas tenter le diable. C'est tout? Que deux niveaux? 12. Armure légère. Pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait avoir assez Pas l'impression. Ah, une main. Les attaques à la hache signifient des dégâts de saignement supplémentaires. Ouais. Peut-être prendre ça, ça peut être pas mal. Puis on va garder le deuxième point. Voilà. Ouais. Prends le bâton, tant pis. Oui, il y a un nouveau Mountain Blade qui devrait sortir cette année. C'est Mountain Blade 2 Bannerlord.
et sortir cette année ou début d'année prochaine. Enfin, c'est bon, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, j'ai envie de dire, on n'est plus à ça près. Ouais, j'ai un poil de seum parce que c'est pas comme si j'avais fait toute la map. Non, d'où c'est passé. J'ai fait toute la map pour aller chercher une putain de hache qui était comme ça, posée chez quelqu'un. Un peu triste. On se carapate. Je vais rien en fait. Il n'y avait absolument rien. À part un type qui s'était planté là. Voilà, on sera TP. On se fait toute la route, qu'est-ce que c'est chiant. Voyage simulator. On va tester la technique de speedrun là, qui permet d'accélérer à l'infini. Ou jeter une torche en même temps et tout. J'ai jamais réussi à faire. Tellement YOLO que je fais des sauts de 3 mètres. T'as raté quelque chose avec Ibam ? Non, tu n'as rien raté, c'est juste randonnée simulator, je suis allé chercher une putain de hache à l'autre bout de la carte. Et là je suis en train de la ramener au Pékin qui me demandait la hache. C'était méga chiant. Pour la peine, je pète. Je suis juste en train de faire la moitié de bord de ciel juste pour aller chercher un saloperie d'item là. Ah, vous avez la hache et mon chien. Formidable. Excellent travail. Une légende vivante et son fidèle compagnon récupérant un vieil artefact pour le prince. On se croirait dans un conte de fées. Ah, mais ça semble presque dommage de donner cette arme, n'est-ce pas? Je pense que vous pourriez me persuader de vous la laisser. Mais seulement si vous vous servez de la hache pour tuer Barbas. C'est aussi simple que ça. C'est quoi cette quête? Merde. C'est une hache à deux mains ou si c'est une hache à deux mains, j'en ai rien à foutre. Non, non. Ah. Dilemme de merde. Vous n'êtes pas drôle. J'imagine que je vais devoir trouver autre chose pour m'amuser. Bon bah voilà, j'ai avec bien fait le bon choix. Avec le retour de mon chiot, je vais retrouver mes pleins pouvoirs. Le monde sera à moi. Le mec est complètement cramé. Je savais que je pouvais te faire confiance. Ouais, mais si... Oui, le chien retrouve son maître, le maître retrouve sa hache cosmique, et tout le monde est content. Ok, le chien. Bonne inquiétude. Je m'assurerai qu'il revienne à la raison. Je t'ai fait confiance, alors à ton tour. C'était bizarre comme quête quand même. Hein. Ah, je me sens tellement mieux. On oublie combien la puissance. J'aurais voulu d'ailleurs. Ah, d'accord. Jouissive jusqu'à ce qu'on se retrouve coincé dans une grotte pendant quelques années. Vous préférez que je reprenne mon chien? Dommage. Vous manquez cruellement d'imagination. Un tel manque d'ambition devrait être puni. Peut-être en vous transformant en asticot, ou peut-être quelques décennies à... Oh, parfait. Vous avez ma bénédiction et c'est réglé.
J'ai des choses plus intéressantes à faire de toute façon. Je comprends pas du tout ce type. Il a un problème. Tu as un problème, mec. Donc j'ai gagné un masque, comme tu m'as dit. Le masque de Vilclavicus, Troducus, ce que tu veux. Les prix sont 20% plus intéressants, quand se plus régénération magique 5% plus rapide. Ah, c'est sympa quand on veut aller discuter avec quelqu'un pour vendre des trucs. On n'a pas que j'oublie. Ok, on a aidé un deuxième Jean-Jean. Normalement. Putain, il est moche le gamin. Oh, ils lui ont fait quoi? Il a un cancer? Mec, s'ils ont mis des gamins cancéreux, ça va être compliqué cette histoire. Genre, adopte un enfant cancéreux. C'est horrible. C'est carrément... Puisque je regarde, c'est pas ça que je cherchais. Alors, du coup, ce que j'ai fait, ça servait pas à grand chose. Du coup, j'ai fait une sacrée quête, et j'ai aidé personne. La guerre saigne bord de ciel à blanc, et aucun... L'acier, c'est bien, mais la loyauté, c'est encore mieux. J'ai été le gars. Pourquoi le ferais-je? Pour un vrai nordique, la loyauté... Oui. Alors. De toute façon, c'est fait. Il est temps de se remettre en route. Je vous suis reconnaissant. Hein? Allez. Ce n'est pas grand-chose, mais prenez-le. Ok. Le mec a une réaction assez étrange. C'est genre, waf, c'est pas grave. Je t'ai payé, bah je te repaye encore. Tout est normal. Bon, il y a encore deux Jean-Jean à aider là dans ce. Je n'arrive pas à croire que les provinciaux comme vous aient le droit d'aller où ils veulent en bord de ciel. Mais ta mère! J'arrive pas à croire que les provinciaux comme vous. Le mec, je rentre chez lui et il commence à m'insulter, tu sais. Je l'ai été, mais plus maintenant. J'ai été blessé au cours d'une escarmouche aux abords de Vendôme. Cela dit, ça remonte à un paquet d'années. Peut-être que je ne porte plus les armes au nom d'Ulfric, mais je partage toujours ses idéaux. Bord de ciel est une contrée nordique, c'est nous qui devrions la diriger. Nous n'avons pas besoin de l'aide de l'Empire pour ça. Ok. Si vous me volez quoi que ce soit, vous allez le regretter. Ah ouais! Ouais. Gros fils de pute que je suis. Donc y a personne à aider ici. Mais pousse-toi. Je peux faire une blague pourrie à la limite du ban. Allez, vas-y. Ça fait longtemps qu'on n'a pas live. J'autorise. Peu de temps, une bonne boisson. L'idée de vous accompagner. Ce décolleté qui plonge dans les enfers. Mais je ne peux pas laisser Valga toute seule. J'ai cru que c'était le sorceleur. Que vous en avez l'air. Ah. Regardez ce que vous faites. Bien sûr. Que souhaitez-vous? Ah. Nous devrions engager Tekla. Donc tu me dis que les personnes à aider, tu dois les avoir dans ton truc de quête. Ulfric doit avoir beaucoup de fric. Avoir les moyens. Bienvenue à l'auberge du mort de soif. Waouh. Tenez, c'était dur hein, comme blague. Là, pour les le coup, Anakin Gat t'a fait peur. Et ont laissé cet avis de recherche. Une carte. Le dragon qui se trouve à l'ascension des anciens. On parle d'un petit garçon à Vendôme. Un certain Aventus Aretino. Je vous le donne en mille. Il essaie d'entrer en contact avec la confrérie noire. Quel imbécile. Ah ouais, les quêtes de la confrérie noire, j'ai jamais fait, tiens. Il était un héros. Si vous entendez le moindre rageau en ville, Blancherie, Dara et moi aimons nous occuper de notre ferme.
et vivre à l'écart. Ça fait plaisir de main se vantant de victoire. Cet endroit est d'un ennui. Vous risqueriez bien de ne pas vous en. J'ai fait l'ambition de l'ancien Jarl de la ville. Je sais pas, peut-être. En tout cas, j'ai fait une mission. Et là, je viens de récupérer une quéquette avec une. Avec tuer le dragon là. Ferons à vos petits soins. Ouais, on peut essayer d'aller tuer le dragon, hein. Pourquoi pas. J'ai envie de dire. J'ai pas le Dovahkiin pour rien. Dovahkiin. L'enfant de dragon. Ou l'enfant de Juron, ça dépend de qui. Ah, le JDG a sorti une nouvelle vidéo, il faudrait que j'aille la voir. Je la verrai après le live. Tiens, par curiosité, qui est-ce qui est en vacances sur ce chat? Moi, je suis pas encore en vacances, hein. J'annonce. Je ne serai en vacances que jeudi... Ouais, à la limite, vendredi, quand j'aurai déménagé. Je serai en vacances et j'en aurai pour 2 mois. Un mois et demi parce que la deuxième partie de... Enfin, en fait... Merde. Ah! La deuxième partie d'août, enfin, en tout cas à partir du 20 août, je suis à Montréal jusqu'en janvier. Je serai à Polytechnique Montréal. Je reviens de vacances de 38 jours à Madagascar. Le mec se met bien. Tranquillou. 38 jours, c'est pas mal quand même. C'est un mois passé quoi. 4 semaines. Alors c'est sympa. Madagascar, je dois dire que là, comme ça, comme destination, je... un peu, ouais, bon, pourquoi pas. J'ai envie de retourner en Islande. Ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Mais c'est pas pour tout de suite, parce que si je dois acheter un PC... Autant vous dire que la thune, elle va vachement y passer. Surtout que j'ai acheté une Switch en plus. J'ai mal géré mon budget cette année. Carrément mal. Faudrait que je me trouve des boulots. Faisant intervenir mes compétences. Mais c'est quoi cette population sur la route? Défoncé. Alors. Le dragon doit être là. C'est là? Ah d'accord, c'est une passe. Reviens là. Ah ouais d'accord. Genre, je l'ai fait fuir en arrivant, quoi. Je vais courir. C'était bizarre. C'était particulièrement bizarre. Ça m'a surpris. On va attendre un peu. Voilà. C'était bizarre. Là pour le coup, ça m'a surpris. Je dois avouer. Il est là-bas. Ah ouais, il y a un truc qui me hype de fou. Mais alors là, je vous ferai des vidéos, mais du tonnerre quand il sortira. En plus, j'aurai mon nouveau PC. C'est Monster Hunter World. Mais alors là, je vais le poncer. Mais le poncer, je vous préviens, ça va être énorme. Parce que les Monster Hunter depuis l'Unite,
depuis le Freedom Unite. Oh là là, qu'est-ce que je peux les poncer. En plus, j'étais bien balèze. J'étais bien balèze. En fait, j'ai commencé les Monster Hunter avec le... Aïe, un peu foncé. Monster Hunter World sur PC, oui. Il sort sur PC, PS4, Xbox One. D'abord sur PS4, ensuite sur Xbox One et PC, ensuite un mois plus tard. Autant vous dire que je suis hypé de fou. Mais de fou. Un coucou. Ouais, ça va bien. Ça sera tellement mieux les combats sur Monster Hunter World que ça. Oh, j'ai tellement envie de tuer des wyvernes, des grosses ratianes et tout, ça va être trop bien. Le seul conseil que je peux donner niveau travail, c'est un site qui référence le potentiel de recrutement des entreprises en fonction de leur activité, de leur localisation, de la bonne étoile. Ouais, mais en fait, moi, c'est surtout ce dont j'ai besoin, c'est des petits trucs où par exemple, on me demande de réparer un réseau ou des trucs comme ça, des trucs pour lesquels je suis formé déjà de base. Et mon père qui m'a demandé, en fait, sa boîte, ils se sont fait hacker, tout leur réseau, leur serveur est complètement mort, est tombé. Et je crois que la semaine prochaine, je vais avoir un peu de taf là-dessus. Mais pour les... moi en fait j'ai une formation de hacker slash réseau. Voilà, donc c'est un peu précis comme truc, mais bon, je roule ma bosse sur un peu tout en informatique. Et j'ai pas envie de faire de la merde. L'armure de cœur avec 40. L'armure légère avec 42. Je vais désenchanter. Ouais, donc les Monster Hunter, pour y revenir, j'ai fait le tri d'abord, j'ai fait le Unite que j'ai poncé de l'infini d'ailleurs. J'ai fait beaucoup. J'ai fait le Third, j'ai fait le 4, j'ai fait le... Bon, attendez. Deux secondes. On va regarder. Je vais les avoir là, les... J'ai fait Generation. Le 4 Ultimate. Trop de jeux là-dessus. Voilà, ça fait un petit paquet de jeux. Voilà pour mes jeux DS. Ah oui, il doit y avoir que ça sur DS. Et j'ai fait un third japonais aussi en plus. Du coup, j'ai fait un jeu qui était full jap sur PSP. Et je dois dire que pour l'instant, les meilleurs Monster Hunter sur lesquels j'ai joué, bah, ils étaient sur PSP. Même si les hitbox étaient vraiment cancer. Oui. Non, me promener l'armor du fourreau. Je suis le chambellan. Je suis au service de CJ. Excellent. Vous nous avez rendu un fier service. Voilà votre récompense. Ça devait pas être ça. Que la sagesse éclaire votre chemin. Je trouverai jamais les mecs qu'il faut que j'aide là ici. J'ai un paquet de jeux DS en fait, je viens de me rendre compte. Ils sont tous éparpillés là, par terre. Débarquement d'Épervine, non. Dites, quelqu'un a parlé d'ancien Jarl, il est où? Je trouve que j'ai pas fait sa quéquette. Attendez. Non, tu me connais pas. J'allais te tuer en fufu. Terme de maison, j'ai l'impression de faire le tour là. Personne, il est où? Derrière le bâtiment, on t'a le Jarl. C'est ici le Jarl, non? Là
C'est là, c'est derrière le bâtiment, t'as dire. Ou c'est peut-être derrière, tu veux dire en face. Je suis pas loin. Je suis pas loin. C'est là où tu voulais crocheter, voilà. Bon bah j'y vais. Vous cherchez quelque chose? Ah. J'étais Jarl autrefois. Mais on m'a conseillé de me retirer quand je me suis rangé aux côtés des sombrages. C'était un complot de l'Empire, j'en suis sûr. C'était la théorie du complot. Pas contre moi, contre tout Epervin. Ces satanés impériaux espionnent chacun d'entre nous. La nuit dernière, j'ai vu Lod, le forgeron, écrire une lettre. C'est sans doute une missive pour Solitude et le général Tullius. Si vous êtes fidèle en bord de ciel, pénétrez chez Lod et récupérez cette lettre. Mais hyper parano, hein. Genre, ça se trouve, c'était juste une, le début d'un roman porno qu'il avait envie d'écrire, quoi. Passez devant, je vous suis. Oh là. Mec, calme-toi. Attendez, je vous connais. Non, tu me connais pas. Arrêtez de dire que vous me connaissez. Y'a personne qui me connaît dans ce putain de village. Nous sommes là pour vous donner une bonne leçon. Que quelqu'un fasse quelque chose. Qui ne vous appartient pas. Y'a personne qui veut venir m'aider là? Rendez-vous! Rendez-vous, tu sais, je suis en train de lui péter la gueule. Nous sommes battus, replions nous. Il est encore le dernier en vie. Il avait un contrat sur ma tête, évidemment. C'était un peu nul quand même. Merde, il faut que je puisse passer. On me voit? On me voit plus. On voit plus, on me voit. J'ai pas lu la lettre. Merde. Je suis sûr qu'elle a rien à voir. Non. J'ai besoin de tout le fer que tu pourras extraire, d'où ma commande habituelle. Je sais que la mine n'est pas aussi riche qu'elle ne l'était, mais je paierai plus cher. Ok, ça avait rien à voir, donc le mec est hyper parano. J'étais Jarl, qu'est-ce que c'est, une sorte de code? Oh là là, carrément. Ça n'est pas un espion, mais il est clair que l'Empire a demandé à Lod de forger davantage d'épées et d'armures. Au travail, voilà pour vous. Mais quoi, mais qu'est-ce que... Vous avez peut-être vu la tombe ouverte dans notre cimetière. La plupart des habitants de la ville pensent que c'est le travail d'un voleur de cadavres. La vérité est plus sinistre. C'était la tombe de Vigar, mon propre ancêtre mort il y a plusieurs siècles. C'est aussi un vampire. La famille est chargée de s'assurer qu'il reste bien sagement enterré, mais récemment, quelqu'un a volé la pierre protectrice, et Vigar s'est échappé. Non. Il est trop tard pour la pierre protectrice. Il faut détruire Vigar. Si les gens la prennent, une grande honte s'abattra sur ma famille. Parfait. Il a dû fuir pour rassembler d'autres des siens. Au bastion d'Hurlevent. Mesurez vos paroles. Le mec, c'est quand même un gros tordu. Où le bastion d'Hurlevent? Ça va être la dernière quête de ce soir, je pense. En plus, c'est super haut. La question, c'est est-ce que je peux passer par là ?
C'est quand même le type le plus parano que... Tout le monde veut ma mort, c'est le complot des médias, de la CIA, du FBI, des francs-maçons, des juifs, de tous les tous les groupuscules possibles. Les Illuminati reptiliens, sombrage, ce genre de mec. Tout ce qu'on aime. Je vais dans la bonne direction. Dans la bonne direction inverse. C'est bien ça. Un bastion. C'est une tombe de vampirisme hurlant dans la nuit. Ouh. C'est pas du tout le nom du l'endroit où je devais aller en fait. Trône sanglant. C'est pas le truc du hurlevent. Personne. Bah oui, c'est le jour. Comment dire? Un vampire de jour, il aime pas trop ça. Oui. Vous pouvez éteindre maintenant. Et vous comptez... Ah, quand même. Crétine ! Oh merde. Allez, ramenez-vous. Finalement, y'a rien. Oui, il n'y avait rien. Elle est glissée sur un caillou. Elle a juste glissé que sur un caillou qui tire des flèches. J'ai entendu parler du dernier complot sur le président de la République, comme quoi il serait la réincarnation du diable et il fera pleuvoir le jour du jugement dernier apocalypse. Perso, on a nos agents qui croient dur comme de faire cette connerie. Et what the fuck? Je sais que c'est un pur produit de la banque, mais à part ça... Ah! 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 Le machin, tu t'y attends tellement pas. C'est passé. Tout ce que je peux dire sur Macron, c'est que c'est un pur produit de la banque et que c'est un, ça a l'air d'être un gros gérontophile, mais quand même. Dire que ça sera un des quatre cavaliers de l'apocalypse ou quoi que ce soit, c'est un peu dur. Mon dîner qui me tombe dans les bras. T'inquiète, ton dîner, il t'a dit bonjour. J'ai pris une tomate. Super. Allez, on va finir cette histoire. Des chauves-souris. Je n'ai jamais rien. Bon, du fer, on s'en fout. Trouvé. Il y a des gens. Ma question, est-ce qu'il y a deux gens ou il y a... Putain de merde. Elle s'est levée. Tu l'as fait reculer, crétine. Voilà. Rien du tout. Voilà, de temps en temps, il y a des trucs.
Alors, est-ce qu'on se rapprocherait pas de la fin? Pouah, la vache! Dans le genre qui fait peur, lui, il m'a fait bien là. Ouf. C'est plus l'heure de faire des conneries comme ça. En plus, il est juste en train de me manger le boule. Ah, une main à 40. On va pouvoir lui mettre un point. Hey. Préparez-vous à mourir. Tordu. Voilà. Tout rouge. Je crois que j'ai tiré sur Lydia. Ah non. Putain, la vache, ça suit une sévère. Hein. Oh, tu vas pas me faire chier. Plein de pots. Question, où est la suite? Elle est là. J'ai un peu rushé. Tant pis. Bon, j'arrive au bout, oui, oh merde. Peut-être. Il me semble y avoir un truc spécial là. Ouch. Putain, il m'a vu et... Bon, je l'ai raté au corps à corps. Et ça, c'est les masters sur Overwatch. Comment ça, je peux plus bouger? Tu te rends pas? Ouais. Ça, c'est fait. Avantage, on n'a pas eu à se taper ces types. Oh, un filon d'argent. Vous pouvez pas utiliser ceci pendant un combat. Ouais, d'accord, ok. Je vais pas me lâcher. Cristal de Mérida, attendez, qu'est-ce que je viens de prendre? Une nouvelle main touche le cristal. Ah. J'ai un peu activé. Écoute, un truc un peu chiant. Entends-moi et obéis-moi. D'immondes ténèbres ont envahi mon temple. Mais cette quête-là, tu j'ai déjà faite. Tu dois dissiper ces ténèbres. Rapporte mon cristal au mont Primortis. Et je ferai de toi l'instrument de ma lumière purificatrice. Ok. Mais je suis persuadé d'avoir déjà fait cette quête. Bon, on va aller rendre déjà cette quête à Bidule. En espérant qu'il n'ait pas disparu depuis. Attendez, je vous connais. Non, tu me connais pas. Une bonne boisson forte réchauffera l'atmosphère. Vous n'êtes pas aussi. Ma famille vous est reconnaissante. Voilà.
Veuillez accepter ceci en guise de remerciement. D'accord, en fait ça servait à rien pour la quête. Bon, et ben je vous propose, on va arrêter là parce qu'il est minuit, oui. Il est minuit, on aura fait pas mal de choses. Et moi je commence un petit peu à fatiguer. Hop, on va sauvegarder. Hop. Vite sur le bureau. Voilà. La main. C'est trop rapide. Eh ben, j'ai plus la main sur OBS. Ah, c'est original ça, tiens. Ah, si, c'est bon. Et voilà, est-ce qu'il reste du monde, tiens, sur le live? Il n'y a plus personne. Ah non, il reste encore du monde. Donc voilà, bon, c'était sympa. On n'a pas arrêté de perdre Overwatch, mais tant pis, hein. Ça arrive. Puis sur Skyrim c'était sympa. Donc comme j'ai dit au début de live, je sais pas si tout le monde était là, je vais je pense refaire des lives encore cette semaine d'ici jeudi. Ça va être sympa, normalement ça va être sympa. On va refaire du Skyrim, tout ça. Ça peut être pas mal de continuer encore un petit peu cette aventure. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a bien plu, il n'y avait pas grand monde mais ça m'a bien plu. Ça faisait longtemps j'avais pas été en état et j'avais pas eu le temps pendant longtemps et ça me fait plaisir d'avoir repris un petit peu. Voilà, voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne nuit et voilà, on va arrêter le live. Allez, des bisous tout le monde. Et à une prochaine fois. Et j'ai encore oublié de faire une sortie de live. Eh ouais. Ça s'appelle être professionnel. Mais vous inquiétez pas, quand j'aurai mon nouveau PC, je refais tout le setup, ça ira beaucoup mieux.